formidable, mais alors. Ouais, c'est formidable, mais alors. Très bien, mais. Très en fort. Mais alors. Ah oui, là-bas aussi. Formidable. Mais c'est formidable, mais c'est formidable. Mais c'est formidable. Oh là là. On devrait se présenter au municipal tous les deux. Mais attends. Mais on nous avait dit qu'on avait rendez-vous à la télé, mais c'est le casino de Paris, oui, là. Oui, non, mais parce qu'en fait, c'est la télé qui vient. Ah oui, c'est ça, parce oui, oui. Parce que comme il y a des gens qui venaient... Oui, c'est ça, oui. Bah, fallait qu'on soit là, quoi. Ah, bah voilà, c'est ça, oui. Voilà, alors on est non, là, non, parce voilà. Que moi, j'avais compris que... Oui, bon, bah... Parce que moi, j'avais compris qu'on avait... Oui. Moi, j'avais pas compris ça. Non, on nous avait dit, venez à la télé. Alors moi, j'avais pris un taxi pour aller rue Cognac-Jay, mais c'est fini maintenant, ah non, tout ça. Tout va est au casino là, de Paris alors. Maintenant, très bien. Il y a monsieur Fabrice Clément, il est pas là, non? Non. Ah si, je crois qu'il est là. Non, il y a monsieur Dugenoux qui est là aussi, oui, mais... Oui, oui. Bon. Ah ben, allez, on va y aller, parce que... Hein... Dis donc, je pense à une chose. Normalement, oui. Les femmes, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non. Mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on n'a rien de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qu'elles nous reprochent, les femmes? On est habillées à la mode? À la mode, oui, mais de quelle année Ça compte pas, ça, l'apparence. Une femme, elle juge pas là-dessus. Elle est plus intelligente que ça. Ouais, n'empêche que l'autre soir, en boîte, il y en a pas une qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis mon beau costume. Oui, celui en velours orange à pattes d'éléphant. Avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Évidemment, elles venaient pas me parler, les filles. Elles osaient pas. Elles étaient impressionnées. Ah ben, faut dire que t'étais impressionnant. Mais toi, t'en as eu beaucoup de femmes. Ah non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile. J'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre une femme, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'elle doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais. Elle s'intéresse pas à moi. Normalement, une femme, ça doit être la même avant et après le mariage. Normalement, oui, mais souvent, elle change. Elle change en mieux. Ah oui, elle te fait davantage participer à sa vie. Elle te demande d'aller faire des courses le samedi après-midi au Mammouth quand il n'y a pas grand monde. Elle te demande de déboucher les WC, de sortir son chien. Tu savais pas d'ailleurs qu'elle en avait un? Ça, avant le mariage, elle te le demande pas. Ah non, c'est après. Avant le mariage, elle partage tes goûts. Et après le mariage, tu partages les siens. C'est normal, il y a un échange. C'est comme quand tu fais la vaisselle, par exemple. Bon, bah, toi, tu récures les casseroles, tu dégraisses les plats... Puis elle donne les ordres. Mais ça là, fais ceci! T'as pas pris le bon torchon! Celui-là, c'est pour les chaussures! T'es qu'un gros nul! Chez vous aussi... Mais oui, mais tout ça, ça renforce le couple. Ouais. Ouais, oui. Il paraît. Il paraît que le plus important pour les femmes, c'est l'humour. Après l'argent, oui, certainement, oui, oui. Ouais, un type qui est beau et riche, si en plus il a de l'humour, elles sont pas contre. Hein. Mais attention, l'humour avec les femmes, faut pas en abuser non plus. Faut pas que ça les dépasse. Ah, sinon, elle se vexe. Ah, ben voilà. Tu vois, là, on est allé trop loin, là. Non, mais la femme, dans l'ensemble, ce serait pas mal. Ça m'en ferait peut-être pas la voir en couple. Une fois de temps en temps, quand on en a envie, ça suffit. Par exemple, le matin, quand tu te lèves. Ou le soir, quand tu te couches. C'est bien aussi, là. Mais quand t'es en couple, tu l'as quand tu veux, ta femme. Oui, et puis tu l'as aussi quand tu veux pas. Ouais, mais l'avantage d'une femme, c'est que quand tu rentres chez toi, le soir, elle te fait la conversation. Oh, moi, ça m'est égal, j'ai la télé. Ouais, mais la conversation d'une femme, c'est moins fatigant pour la tête. Oh, oh.
Oh, dis donc, c'est pas gentil, ça, c'est pas vrai, dis donc. Non, non, ça dépend, hein. Il y a des intellectuels chez les femmes. Ouais. Bah oui, il y en a. Il y en a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. De toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande, hein. Non, ça se saurait depuis le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je leur demande. Moi non plus. Ouais, bah ça aussi, ça se saurait, oui, oui. Non, moi, d'intellectuel, j'en ai connu une. J'en ai pas connu deux, j'en ai connu une. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai eue. Ah, c'était pas n'importe qui, elle était journaliste. Oh, une journaliste! Ah oui, oui, elle était journaliste à Modes et Travaux. Modes et Travaux, c'est pas intellectuel. Oh ben si, pour des femmes... En plus, elle, elle était critique. Et critiquait quoi? Tous les nouveaux tricots qui sortaient. Ah, c'était une championne en plot, hein. Ça tombait bien. Avec ma petite aiguille. Non, mais on plaisante. Oh, mais naturellement qu'on plaisante. J'en ai une grosse. On plaisante. Dans l'ensemble, les femmes, elles pensent comme nous. Mais oui, mais c'est sur des points de détail qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, tu veux pas d'enfants, elles en veulent 10. Enfin, des conneries comme ça, quoi. Ça remet pas en cause l'essentiel. Mais non. Que le couvert soit mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Ah ça, moi, je tolérerais pas une souillon à la maison, hein. Oula. Une feignasse qui a pris un travail dans la journée là pour se pavaner en mini-jupe dans l'autobus. Oula. Ah, pas de ça chez moi, la feignante qui travaille à l'extérieur, là. Aujourd'hui, oh là, il y en a de la teigneuse qui va bosser au dehors, là. Oh là là. Il y en a plein, les autobus. Et pendant que tout le quartier lui regarde les cuisses dans le bus, toi, chez toi, t'es obligé de te servir toi-même, ton Ricard. Et puis les femmes qui travaillent, c'est autant de places de prise aux chômeurs. Ah, ça fait moins rire, ça aussi. Mais on le garde quand même. C'est sur les loisirs aussi qu'on n'est pas toujours d'accord. Sauf si tu leur proposes un voyage en Inde ou au Mexique. Là, il n'y en a pas beaucoup qui résistent. Je peux pas, j'ai pas le permis. D'un autre côté, t'emmènes une nana au Mexique, ce qui l'intéresse, c'est de se bronzer sur la plage. Hein. Les monuments, les vestiges, elle s'en fout. Je sais, une année, j'en avais amené une à La Tranche-sur-Mer. Elle a rien visité du tout. Même pas un temple hindou, une pyramide inca... Rien, je te dis. Oh, le gâchis, quand on connaît La Tranche. Cela dit, à La Tranche-sur-Mer, les temples hindous... Quand on a vu un, tu les as tous vus. Hein. De toute façon, la femme, on peut pas s'en passer. Non. Parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Et elle, elle peut pas se passer de l'homme non plus, normalement. Normalement, non. Mais de nous, si. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Un couvert. Ah non, deux. Ah, vous serez avec quelqu'un? Non, non, je suis seul. Donc, un couvert. Non, je mange seul, mais avec deux couverts, un couteau et une fourchette. Ah, d'accord. Par contre, je ne vous mets qu'une seule assiette. Voilà, une assiette et deux couverts. Et je vous mets deux verres. Ah ben non, parce que je suis seul. Un verre à eau, un verre à vin. Ah non, je ne bois pas. Ah, pas de verre du tout. Non, je ne bois pas de vin. Ah, je vous mets un verre à eau. Voilà. Un fumeur ou non-fumeur? Ben, le problème, c'est que je fume. C'est pas un problème, monsieur. J'ai de la place en fumeur, en terrasse. Oui, mais je fume en fin de repas, jamais en début. Et alors? Ben, je voudrais commencer à dîner sans respirer la fumée de mon voisin. Dans ce cas, je vous mets en non-fumeur. Ben, mais si je suis en non-fumeur, je ne pourrais pas fumer. Vous commencerez votre repas en non-fumeur et je vous placerai en fumeur à la fin, au moment de votre dessert. Mais s'il n'y a plus de place en fumeur au moment de mon dessert... Vous prendrez pas de dessert. Oui, mais si je ne prends pas de dessert, je ne pourrai pas fumer, puisque c'est avec mon dessert que je fume. De toute façon, vous ne pourrez pas fumer, puisque vous serez encore un non-fumeur. Oh, c'est embêtant. Bon, ce que je vous suggère, monsieur, c'est de prendre tout de suite votre dessert en fumeur. Ouais.
puisqu'il y a de la place, et de commencer votre repas à la fin en non-fumeur. Ah oui, et alors à votre avis, est-ce que je fais tout le repas à l'envers ou est-ce que je reprends dans l'ordre après ma mousse au chocolat? Ça dépend, qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir en entrée? Ben, j'aime bien le saumon fumé, mais... Mais pas en non-fumeur! Je ne peux pas vous le servir. Vous avez des harengs pommes à l'huile? Oui, mais tout de suite après la mousse, je ne vous le conseille pas. Hein. Commencez par le plat direct. Ah ben alors une grillade au feu de bois. Mais pas en non-fumeur. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Parce qu'on apporte le grill sur la table, ça fait de la fumée qui incommode les non-fumeurs. Ah, ouais, ouais. Et un cassoulet, c'est possible? Bien sûr, monsieur, le client est roi. Très bien. Donc on a une mousse au chocolat. Oui, bien crémeuse à la mousse. Un cassoulet. Il est bien votre cassoulet, il est pas trop léger. Ah non, monsieur, il est à l'ancienne. Coudois, coin de l'ars, saucisse et ventrèche. Vous aurez du mal à le finir. Très bien. Et pour terminer, un hareng pomme à l'huile. Oui, je pourrais en avoir deux. Le pot est à volonté. Tant mieux. Pas de vin? Non, malheureusement, je suis au régime. Ah. Café ensuite? Non, en fin de repas, rien de chaud. Vous me mettrez un cognac. Je croyais que monsieur ne buvait pas. Jamais de vin, uniquement de l'alcool. Ah. Ah, excusez-moi, vous aviez réservé? Oui. À quel nom? À mon nom. Je ne le vois pas, monsieur. Ah bah dans ce cas, cherchez à Dupont. Oui. Dupont avec un D ou avec un T? Avec un D, monsieur. Sinon, ça ferait Dupont. Pardon? Vous me demandez avec un D ou un T, je vous réponds. Bon alors, j'épelle. Oh, mais... D-U-P-O-N-D. Non, c'est un T à la fin. Vous venez de me dire avec un D. Non, je vous ai dit avec un D pour le du et un T pour le pont. Bon, je suis désolé, je ne vois pas de Dupont. Hein. Ah bah dans ce cas, cherchez à Durand. Non, désolé, je ne vois pas. Ah, Lefebvre? Non. Garcia? Non plus. Stablowski? Non. Van der Meulen? Pas de chance, non plus. Lee Van You? Non, désolé, monsieur, je ne vois pas. Oui, remarquez, monsieur, c'est normal, j'ai réservé, mais c'était pas ici. Dans ce cas, je regrette, hein, je ne peux pas vous garder. Bien entendu, monsieur, réservez-moi une table pour demain. Bien sûr, monsieur, à quel nom? Le mien. Très bien. Ah, pour demain, fumeur ou non-fumeur? Bah, le problème, c'est que je fume. C'est pas un problème, monsieur, j'ai de la place en fumeur. Oui, mais je fume en fin de repas, jamais en début. Et alors? Ben, je voudrais commencer à dîner sans respirer la fumée de mon voisin. Dans ce cas, je vous mets en non-fumeur. Mais si je suis en non-fumeur, je ne pourrais pas fumer. Tu t'intéresses à l'art, toi? Bien sûr. Oui. Ah, l'art. J'ai une salle à manger authentique de chez Conforama. Ah, oh, c'est bien, c'est bien. Très bien. Certifiée 1980. Elle est certifiée par un expert? Pas besoin. J'ai gardé le ticket de caisse. Et les chaises ont été recapitonnées en tissu lavable. Hein. C'est un expert agréé Monument de France qui t'a recapitonné les chaises? Non, c'est Brico-Décor. Ah. Je suis pas inquiet au niveau qualité, c'est eux qui décorent tous les salons de la reine d'Angleterre avec de la moulure en plastique. Parce que normalement, pour ce genre de travail, le mieux, c'est un maître rempailleur agréé Moleskine. Tu payes un peu plus, mais t'as une finition soignée. C'est d'ailleurs, d'une manière générale, l'avantage de l'artisanat. Moi, je vois avec ma femme pendant des années, on donnait notre linge à une laverie industrielle pour des raisons d'hygiène. Bon, eh bien, le blanc était impeccable, mais le tissu était râpé. Oh, je gardais pas une chemise plus de 10 ans. Et rien ne vaut le travail artisanal, hein, mais un jambon à la coupe n'a pas le même goût qu'un jambon de société. Bon, en art, c'est pareil. Hein. Le potier à l'île de Léron, il fait tout devant le client. Alors qu'au Grand Palais, les toiles qui sont exposées, elles ont été amenées en camion. Ça vient de Chine. On ne sait même pas comment ça a été fait. Sans compter qu'attention, en art, il y a beaucoup de contrefaçons. Tiens, au Louvre, par exemple, je parle du Louvre, parce que c'est un petit peu connu depuis qu'il y a la pyramide. Eh ben, il paraît que la Joconde, c'est même pas la vraie. Non, c'est sa sœur. On dit même que c'est peut-être son frère, parce qu'elle a de la moustache.
Ou son père, parce qu'elle a de la barbe. Ou sa mère, mais ça j'y crois pas parce qu'elle était orpheline. On dit même que c'est pas elle. Hein. Mais si ça se trouve, c'est même pas Picasso qui l'a faite. Non, c'est plus récent. Et le problème aussi en art, c'est que non seulement il y a des contrefaçons, mais il y a aussi beaucoup de faux. Ah ouais. Par contre, moi, j'ai une vraie reproduction de Gauguin chez moi. Bah oui, mais c'est une reproduction. Ouais, mais c'est une vraie. Ben comment tu le sais? Je l'ai acheté à la Fnac. Ah. C'est le vendeur qui me l'a dit. Donc c'est une reproduction. Ouais, mais authentique. Quand je la regarde, je vois vraiment le tableau de Gauguin. Oui, enfin, sauf que le tableau, tu ne l'as pas. N'empêche que je le vois. Alors qu'il y a des gens qui ont le vrai et qui le voient pas. Comment ça? Parce qu'ils sont trop occupés, ils passent devant, ils se rappellent plus qu'il est là. Ou parfois même ils ont le vrai, seulement ils le voient pas parce qu'ils l'ont mis au coffre. Où est-ce que tu l'as mise, toi d'ailleurs, tiens, ta reproduction de Gauguin? Dans la cuisine, au-dessus du frigo. Parce que ça fait aussi calendrier. Parce que moi, si j'avais un vrai Gauguin, je le mettrais dans les cabinets. Parce que pour contempler un chef-d'œuvre, faut pas être plusieurs. Non, plusieurs, on est toujours dérangé, on n'apprécie pas. Hein. C'est comme au spectacle. Hein. Quand il y a trop de monde, c'est pas bien. Ouais. Enfin, sauf pour nous. Non, mais ça, c'est comme la grande musique. Ça s'apprécie beaucoup mieux chez soi tout seul. Oui, à l'opéra, toujours dérangé par un type qui mange des pop-corns. Ou qui suce un esquimau. Ou qui retire ses chaussures. Ou qui t'asperge de bière en débouchant une canette. Ou qui lit un journal, ou... En tout cas, les portraits de la Joconde, les tableaux de Gauguin, les photos du Sacré-Cœur, moi, je respecte. On voit que c'est travaillé. Ah bah c'est sûr, on voit le boulot, hein. Mais là où je suis pas d'accord, c'est en abstraction. Ah, il y a de belles choses aussi en art moderne, attention. Mais c'est sûr que les gars ont reçu la même formation que les classiques. Ils travaillent pratiquement plus au pinceau, maintenant. Ils sont tous au rouleau. Mais beaucoup de peintres modernes viennent du bâtiment, hein, c'est connu, ça. C'est souvent d'anciens maçons qui ont été licenciés. Mais ils ont gardé leurs outils, c'est avec ça qu'ils peignent. Ils ont gardé des planches, des bouts de ferraille. Mais il y a de bons trucs quand même dans le moderne, parce que là, j'ai regardé récemment un reportage à la télé sur un sculpteur colombien qui a fait une statue de Ségolène Royal dans un bidonville à Caracas. Bon. Eh ben, mon vieux, elle est faite en abstrait, oui, mais avec beaucoup de tenue. Mais c'est en plâtre? Ah non. Non, c'est fait à base de tuyaux de canalisation, soudés avec des boîtes de conserve, le tout recouvert d'une mince pellicule de boue séchée qui lui fait comme un masque de beauté. Mais c'est ressemblant? Ah non, si tu sais pas que c'est elle, tu vois une boîte de haricots. Mais quand on te le dit, il y a quelque chose. On la reconnaît pas vraiment, alors? Non, pas vraiment. C'est pas plus mal. Mm. Rappelle-toi quand on était allé au musée Pompidou, parce que tu voulais essayer l'escalator. Oh ben il est formidable. Oh ben il est encore mieux que celui des Galeries Lafayette. Ah, il est transparent. Oh, l'escalator du musée Pompidou, ouais, il est encore mieux que celui des Galeries Lafayette. Transparent. Il est formidable. Avec des marches. Ouais. Il monte comme ça. C'est comme un escalier roulant, transparent avec des marches. Ouais, c'est comme aux Galeries Lafayette, c'est un escalator. Donc l'escalator du musée Pompidou, c'est pas compliqué, il est comme celui des Galeries Lafayette. Mais montant. Avec des marches. Comme ça, transparent, comme aux galeries. Mais... Roulant, montant, transparent. Ah, il est formidable. Si, il monte. Ah, il est formidable. Il monte comme ça. Ouais. Ah, transparent. Oui, ouais. Il est roulant, c'est comme un escalier roulant, quoi. Ouais, c'est comme. Oui. C'est comme qui dirait un escalier roulant, si vous voulez, mais avec des marches. Qui monte, transparent, c'est comme aux Galeries Lafayette. Voilà. Vous avez l'escalator des Galeries Lafayette. Pareil. Vous avez l'escalator du musée Pompidou, c'est à peu près pareil. Sauf que... Ils sont tous les deux en escalier, montant avec des marches transparentes. Transparent. C'est comme un escalier roulant, quoi. Sauf qu'ils montent. Ah ouais, ils montent. Ah ouais, il est avec des marches transparentes. C'est comme un tapis roulant, mais qui monte avec des marches, comme un escalier roulant. Alors d'ailleurs, je me posais la question l'autre jour, parce que justement, en étant mais je m'étais déjà posé la question avant d'ailleurs. C'est que finalement, quand on est sur un escalier roulant comme ça, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit l'escalier roulant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la première marche qui vient, hein, on remonte ses pantalons pour pas se prendre le truc, bon.
Alors on prend la première marche, hein, enfin, ou la deuxième si on est grand. On fait une grande enjambée, on prend la deuxième. Attends. Un gars très très grand va prendre la troisième, hein, mais c'est un gars très très grand. Bon. Attends. Mais disons en moyenne, moi, un gars taillé comme moi, bon, je vais prendre la deuxième, quoi. Parce que non, j'ai peur attends. De ripper sur la première, je vais prendre tout de suite la deuxième, comme ça, je vais prendre la deuxième. Bon, là, je suis bien tranquille, je suis sur la deuxième. Attends. Ça sert à rien de prendre la deuxième, puisqu'elle va repasser. T'as qu'à attendre. T'attends qu'elle revienne. Puisque c'est roulant. Ah, tu peux en dire des conneries, toi, alors, vraiment. Alors, c'est pas la peine, on parle d'un sujet sérieux, tu m'excuseras, alors. Donc, quand vous êtes sur la deuxième, vous avez pris la deuxième, mettons, bon. La deuxième ou une autre, mais enfin, celle qui passe, quoi. Celle qui vient, mais avec une grande enjambée, on va l'appeler la deuxième. Bon, alors vous êtes là. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que finalement, toutes les marches qui sont devant, elles servent à rien. Ben non, parce que, une fois que vous êtes sur la deuxième, on voit jamais un gars sur un escalier roulant qui est en train de monter. Il reste, puisque c'est roulant montant, donc il reste à sa place. Donc toutes les marches devant, elles servent à rien. Si, ça fait joli. Oui, oh. Alors après, je me suis fait une autre réflexion. Je me suis dit, oui, mais attention, un escalier roulant comme ça, pourquoi il y a des marches? Puisqu'une fois qu'on en a choisi une, on ne se sert pas des autres. Ben, en réalité, c'est tout bête, mais parce que, s'il n'y avait pas de marche sur un escalier roulant, il y aurait quoi? Ce serait une rampe, comme ça. Eh ben, qu'est-ce qui se passerait sans marche? Eh ben, on se pèterait la gueule. Oh ben, en tout cas, ils montent, hein. Si, ils montent parce que nous, au bout d'un moment, on est arrivés en haut. Ouais. Oh, c'est bien la preuve qu'ils montent. Oh, mais il est formidable. Bon. Il alors... est comme aux Galeries Lafayette, pareil, mais sauf que pareil. C'est un escalier roulant transparent avec des marches qui montent. Alors, une fois qu'on a été en haut, bon... Devant l'entrée du musée. Hein, où ça? À Pompidou. À Pompidou, ah ouais, à Pompidou. Bon. Formidable. On est entré. Formidable. On a vu des trucs pas mal, hein, en moderne, hein. Eh, hey, tu sais le truc tout en plume, là? Le poulet. Mais non, ça c'était à la charcuterie. Ah ouais, ouais. Le tableau entièrement recouvert de plumes. Celui que tu voulais offrir à ta femme. Voilà. Mais elle est allergique à la plume. Ouais, sa femme aime pas la plume, ça c'est moche. Oh, moi je dis qu'une femme qui aime pas la plume, eh ben, je trouve que c'est moche. C'est vrai, c'est moche. Une femme qui aime pas la plume, c'est moche, moche, moche. Elle aime pas la plume, sa femme. Oh, c'est moche, moche, moche. Elle aime pas la plume. On c'est est tout pour... en bah, mousse ouais, c'est à la pour... maison. Ah oui. À cause de sa maladie. Hein. Ah ouais. Déjà, c'est pas rigolo pour la bonne femme de pas aimer la plume. Alors mettez-vous à la place du mari, hein. Avoir une femme qui aime pas la plume, moi je dis que c'est moche. Elle a la maladie de la plume. Oh, elle aime pas la plume, sa femme. Oh, c'est moche, moche, moche. On est dans la mousse. Bon, ben, un tableau comme ça, je trouve que c'est un travail d'orfèvre, hein. Plus de 1000 plumes de coller. C'est de la patience, hein. Sans compter qu'attention, 1000 plumes, ça fait au moins 100 poulets, parce qu'il faut compter 10 plumes par poulet. Parce qu'un poulet, quelle que soit la taille du poulet, c'est toujours le même nombre de plumes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un ami à nous qui est volaillé qui me l'a dit l'autre fois. Un poulet, quelle que soit la taille du poulet, c'est toujours le même nombre de plumes. Un poulet, ça a 10 plumes, parce que c'est pas le nombre de plumes qui fait la taille d'un poulet, c'est la façon dont la plume est taillée. Si la plume est taillée petite, ça fait 10 petites plumes, ça fait un petit poulet. Si la plume est taillée gros, ça fait 10 grosses plumes, ça fait un gros poulet. Si la plume est taillée moyen, ça fait 10 moyennes plumes, un moyen poulet. Donc 10 petites plumes, un petit poulet, 10 grosses plumes, un gros poulet, 10 moyennes plumes, un moyen poulet. C'est... C'est pas le nombre de plumes qui fait la taille d'un poulet, c'est la façon dont la plume est taillée. Alors là, on est sur 1000 plumes, ben ça fait 100 poulets, parce qu'à 10 plumes le poulet, ben 10 multiplié par 100, ça fait 1000. 1000 divisé par 100, ça fait 10, et 1000 divisé par 10, ça fait 100. C'est 10 plumes le poulet, quelle que soit la taille d'un poulet. Alors... Attends. Plus la... Attends, j'explique, c'est... Ben, tout le monde n'a pas compris. Alors, parce que tout le monde... Alors, plus la plume est taillée petit, plus le corps du poulet est petit. Plus la plume est taillée gros, plus le corps du poulet grossit. C'est un petit peu comme chez nous. Une plume taillée petit, un petit corps. Une plume taillée un peu plus gros, le corps grossit. Alors là, on est sur 10 plumes. Eh ben, ça fait 10 plumes le poulet. Alors ça fait donc alors 10 petites plumes, un petit poulet. 10 grosses plumes, un gros poulet. 10 moyennes plumes, un moyen poulet. Attends. Ah ben c'est comme ça. Attends, c'est comme ça. Oui. Il n'y a pas plus de plumes. Ah non. Dans un gros poulet. Non. Que dans un petit. Ah non. Ah c'est dingue. Ben, c'est pas le nombre de plumes qui fait la taille d'un poulet, c'est la façon dont la plume est taillée. Alors là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle en réalité le poulet est une volaille, quand on y réfléchit, qui n'est pas très volatile. Ça ne vole pas un poulet, ça volette. Ça ne peut pas voler un poulet, ça ne peut que volter. Ça fait... Ouais. Ça volette. Parce que pour voler, il faut 12 plumes. Deux de plus.
Ah, on s'instruit, là, hein? Alors, il y a un cas intermédiaire qui est celui de la dinde. Parce que la dinde, elle n'a que 11 plumes. Elle vole comme ça, la dinde. Elle penche. Ouais. Eh oui. La dinde, on dirait un peu un avion d'Air France qui a du mal à décoller. Elle penche, puis elle frotte. Ouais. Elle a la queue qui frotte. Elle a la queue qui est en rase-motte, quoi, qui est ras-la-motte. Elle a la plume qui frôle le dindon. C'est comme le tableau qui était à côté, là, tout en capsule de bière. Oh, très belle pièce. Ça m'a rappelé ta cheminée chez toi. Ouais. Ah bah c'est pas pour dire, mais moi j'avais eu l'idée avant, parce que moi à l'époque, ma cheminée, je l'aurais faite sur une toile. Combien elle vaudrait à l'heure qu'il est? Rien ne t'empêche de faire un procès au gars. Tu peux! T'as les photos de la hotte de ta cheminée, elles sont référencées, il y a la date au dos. Oh, je pourrais, mais je vais pas l'embêter, ce pauvre peintre là du musée Pompidou, il a que ça pour vivre. Tiens, bah t'as vu, là, il est en photo sur son catalogue, là, à côté du tableau. On le voit dans son appartement de New York, il est assis par terre, soi-disant dans son appartement, dans un coin. Il y a même pas un meuble, c'est pas décoré. Ouais, c'est un clodo. Rien du tout, rien du tout. T'as vu comment il est habillé sur la photo, même pas de cravate. Une cravate? Mais tu crois que ce gars-là, il a les moyens de se payer une cravate? Mais quand il vend un tableau, lui, tu crois que c'est lui qui touche? Non, c'est la famille Pompidou. Ouais. Et au Louvre, quand ils vendent un tableau, qui c'est qui touche? Ah, le Louvre, c'est spécial. Il y a un accord 50-50 entre le gars qui a fait le tableau et le ministre de la Culture. Mais à part Pompidou et le Louvre, où est-ce qu'on peut trouver de l'art, si on veut en acheter? Ah bah dans des galeries, galeries marchandes, marché de Noël... Mais alors si ça se trouve l'an dernier, au marché de Noël du 15 août à la Tranche-sur-Mer, j'ai acheté une œuvre d'art. C'était du moderne ou du contemporain? Entre les deux, c'était une figurine. Ah. C'était une Vendéenne en costume traditionnel, ouais, qui récolte le riz dans les marais salants. Le costume traditionnel vendéen, c'est bien celui avec la coiffe qui a les deux grandes oreilles, là, comme en Alsace, non? Non, en Vendée, c'est un petit beurrier en terre cuite, posé sur les cheveux et maintenu avec de la bave d'escargot séchée qui entoure la tête, comme quand on a mal aux dents. Elle doit être coquette, ta statuette. C'est une pièce unique? Je pense, parce que j'en ai jamais vu ailleurs. Je te dis ça parce que normalement, le vendeur doit te délivrer un certificat d'authenticité. Et le moulage doit être numéroté. Mais il y a une plaque scellée! Souvenir de la Tranche! Ah. Et j'ai vérifié sur mon Larousse des musées, elle n'est dans aucun livre d'art. Hein. Est-ce que tu as regardé aussi au nouveau musée du Quai Branly? Parce que là-bas, ils sont spécialisés dans la figurine. Ouais, mais c'est surtout Afrique, Asie, Océanie... Oh, je crois qu'il y a la Vendée aussi. Ah bon? Pourtant, la Vendée, c'est en France. Ah oui, mais les Vendéens sont restés très exotiques. C'est pour ça que le vendeur m'a aussi proposé un tam-tam et une tête en noix de coco qui fait lampe. Il te faisait le tout à combien? Avec la statue, mais j'avais le tout pour 20 euros, mais... Mais à ce prix-là, c'était une affaire, fallait acheter le lot. Parce que des têtes comme ça au Quai Branly et des plus petites, hein, des modèles réduits, ils appellent ça, ça n'a pas de prix. Et encore, elles sont même pas montées en lampe, hein. Ah bon? Ah non. Y a pas l'abat-jour? Ah non. Ah, ah, les escrocs. Ah ouais, ouais. Ouais, mais les têtes, elles sont signées. Penses-tu? Ils savent pas écrire. Dis-moi, est-ce que tu étais, toi, au mariage de Roger? Quel Roger? Eh ben, le beau-frère de Marcel. Quel beau-frère? Ben, celui qui a épousé sa sœur. Tu connais un gars qui a épousé sa sœur? On a le droit? Mais non, mais pas sa sœur à lui, la sœur de son beau-frère. On a le droit d'épouser la sœur de son beau-frère? Ben, c'est même recommandé si t'as fiancé un frère et que tu veux qu'elle soit ta femme. Ah, tu parles de Roger qui s'est remarié avec la sœur de Marcel, j'avais pas compris. Non, parce qu'en fait, c'est sa demi-sœur. Ah, c'est une demi-sœur seulement, j'avais pas remarqué. Faut dire que je l'ai vue qu'à table, je croyais qu'elle était assise. C'était bien le mariage de Roger? Ah ben j'en sais rien, moi j'étais au mariage d'Albert. Albert, Albert qu'on connaît? Ben oui, celui qui a divorcé d'avec sa première femme. Ah bon, il s'est remarié avec qui? Ben avec celle qui est devenue sa deuxième femme et qui en fait est la sœur de la première. Donc il épousait sa première belle-sœur en deuxième noce alors. Donc sa première femme devient sa belle-sœur. C'est ça. Et sa belle-sœur était bien mariée à Raymond. Eh ben oui, le frère d'Albert, puisque les deux frères avaient épousé les deux sœurs.
Mais Raymond et elle, ils avaient divorcé, donc elle était libre. Donc elle épousait son beau-frère. Voilà. C'était sympa, la cérémonie? Oh oui, puis il y avait deux mariages pour le prix d'un. Comment ça? Ben figure-toi qu'en même temps qu'Albert épousait la première femme de Raymond, son frère, donc son ex-belle-sœur, le Raymond, lui, il épousait le même jour la première femme d'Albert, puisqu'elle était libre. Donc les deux frères réépousaient les deux sœurs, mais pas les mêmes. Pour les enfants, ça doit pas être facile. Ben, les deux fils d'Albert deviennent les beaux-fils de leur tante, puisqu'elle devient leur belle-mère. Et leurs deux cousines germaines deviennent aussi les belles-filles de leur tante. C'est pas très compliqué. Oui, enfin, sauf qu'au mariage, il y avait deux petits bouts de chou de 2 ans. Ah, c'était qui? Ben, il y a un petit gars qui est le fils d'Albert avec celle qui est devenue sa deuxième femme, et une petite fille... qui est la fille de Raymond avec la première femme d'Albert. Tu vois, ça se complique. Je comprends. Parce qu'en fait, les deux petits derniers qui sont cousins sont à la fois le demi-frère et la demi-sœur des enfants de leur oncle et de leur tante. Ben oui, puisque la mère de la petite fille, c'est la tante de ses deux demi-sœurs, puisque c'est la deuxième femme de son père qui a épousé sa belle-sœur. Et le père du petit gars, c'est le deuxième mari de la mère de sa cousine, qui est en même temps la cousine germaine de ses belles-sœurs à lui, qui sont les filles de sa mère et donc sa demi-sœur. Dis donc, il y a une demoiselle qui a pas l'air d'avoir tout compris, là. Ah oui? Vous êtes perdue, mademoiselle? Non, mais c'est normal, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas la seule. Alors, eh bien, on va reprendre, hein, pour... nous, ça nous dérange pas, hein? On est là pour ça, hein? Ouais. Ça dérange personne si on recommence tout depuis le début? Mais non, on plaisante! Vous sortez le soir, vous? Ah oui. Oui. Vous sortez un petit peu le soir quand même. Oui. Vous sortez oui. Un petit peu le soir. Vous sortez le soir. Vous sortez un petit peu le soir. Oui. Vous sortez un petit peu le soir quand même. Vous sortez un petit peu le soir. Vous sortez le soir. Vous tentez un petit peu le temps. Il faut tenter le soir un petit peu. Il faut sortir un petit peu le soir. Vous tentez un petit peu le temps. Vous tentez le temps. Vous tentez un petit peu le temps. Quand vous tentez un petit peu le soir. Vous tentez le soir. Quand vous tentez le soir. Vous tentez le soir. Vous tentez le soir. Vous tentez le soir. Quand 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 vous tentez le soir. Ben évidemment, je sors le soir, mais pas que le soir, dans la journée aussi, hein. Je vais au marché, je fais les courses, je vais à la sécurité sociale, je fais laver ma voiture... Non, 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 mais lorsque je parle de sortie, je parle de ce qui est culturel. Le théâtre, le cinéma, les conférences, les expositions, l'opéra... Oula! Ah bah oui! Ah bah c'est de ça que je parle, moi! Ah non, 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 non! Ah bah oui, mais c'est de ça que je parle, moi! Ah non, pas ces conneries-là! Ah, non, mais... Le théâtre. Le théâtre. On va au théâtre. Théâtre, le ballet, n'est-ce pas? Ah oui. Le ballet. Ah oui, le oui, oui. Le... Il ne fait pas très bien le danseur, mais il fait très bien le ballet. Non, avec ma femme, on est plus sortis pendant les vacances. Oui, oui. Et puis l'hiver, à Paris, il n'y a pas grand-chose. Oui, et puis c'est souvent payant. Voilà. Bah. On apprécie plus quand c'est offert. Ah oui. Mais, bah, non oui. Mais, pourquoi payer une place à l'opéra alors qu'on a le podium gratuit tous les soirs sur la plage au mois d'août? Sans compter qu'attention, en été dans le sud, c'est la grande époque des festivals. Avignon, Arles, le Touquet, Palavas, le plus haut de gamme étant celui de la Grande Motte. Oh là, cet été à la Grande Motte, en un mois, hein, oui. On a vu 2 tournois de nains. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Nicoletta. Ah, c'est beau, c'est beau. L'élection de Miss Maillot mouillé et les ballets tropicaux de Sibérie. Ah oui, je les connais, ceux-là, ils sont tout en plume avec des bonnets à poils. Mais dites-moi, cet été, il me semble bien qu'il n'y a pas eu l'élection de Miss Grande Motte, non? Elle c'est tous les 2 ans. Une année sur 2, c'est remplacé par la course des pizzas YOLO.
Bon, c'est dommage, parce que Miss Grande Mode, c'est toujours un spectacle de haute tenue, jamais galvaudé, où le jury est toujours très sélectionné. Cette année, il y avait le vice-président du syndicat des éleveurs de poules à 10 plumes. Oh ! Oh, j'ai raté ça ! Oh ! Et il y avait toute la presse, hein. Ah bon, je me rappelle pas, il y avait Le Monde, Le Figaro, Libération ? Non, il y avait Le Littoral Indépendant et La Grande Motte Libérée. Moi, j'aime bien La Grande Motte Libérée. Surtout pour les photos. Ouais. Si ça continue, ils vont faire comme à Avignon. Hein. Ce qui a coulé le festival, c'est la suppression de Miss Palais des Papes. Et à Nîmes, depuis la suppression de Miss Brandade, ben, y a beaucoup moins de monde à la feria. Mais ça, c'est la grande erreur de la politique culturelle en France aujourd'hui. C'est que toutes les subventions du ministère vont dans le subventionné. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens cultivés. Évidemment. Et la télévision ne fait pas son travail. Du tout. Plus de théâtre, plus de concerts, plus de catch. Plus de défilés de majorettes. Même à Interville, ils ont supprimé la partie culturelle. Ah bon, il y avait une partie culturelle? Bah oui, quand il fallait déguiser un nain en schtroumpf. Ah oui, et le recouvrir de crème fraîche. Avec une petite cuillère. Ouais, en moins de 3 minutes. Et le rouler dans la sciure. Avant de le plonger dans un fût de bière. En attendant qu'il se noie. Ah. Qu'est-ce que c'était marrant, ah. Ah. Ça, c'était de la télévision. Ah. Ça, c'était des bonnes émissions. Si, en culturel, il y a bien les Molières. Ah, c'est spécial, les Molières. Je ne trouve pas que ça récompense vraiment le talent. On ne voit jamais d'extrait de grands spectacles comme le Lido, le Moulin Rouge, le Crazy Horse. Ou Michou. Oh, bah oui. Michou, il a jamais eu le Molière. Hein. C'est une honte. Patrick Sébastien non plus, d'ailleurs. En revanche, je crois que Jean-Pierre Foucault a été nominé cette année. Oui, mais il a été coiffé au poteau par un jeune travesti suédois qui a joué 2 jours une pièce chinoise à la cafétéria de la Maison de la Culture de Romorantin. Il parle chinois, Romorantin ? Non, mais il y a beaucoup de travestis. Oui, mais je m'en souviens, ce gars-là, il avait aussi le Molière du meilleur costume. Ah bon ? Il était déguisé en quoi ? Oh ! Oh ! C'était très joli. Oh ! Oh ! Il était enveloppé dans du papier de soie. Oh ! Oh ! Il y avait juste ses fesses qui dépassaient. Oh ! Avec une plume. Oh ! Oh ! Oh ! Au milieu. C'est pour ça qu'il a eu le Molière. L'an dernier, il n'avait pas mis la plume, pas de Molière. Peut-être qu'il l'avait mise, mais qu'elle était trop enfoncée. On la voyait pas. Je crois que ce gars-là a eu aussi le Molière de la meilleure lumière, puisque c'est sa sœur qui l'éclairait avec une lampe électrique. Ah oui, 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 oui. Il est beau. C'est à moi, d'accord, pardon. Très bien. Je déclare ouverte la 251e cérémonie des Molières qui, comme chaque année, récompensera le théâtre que le public ne va pas voir. Comme le disait mon beau-frère qui a consacré toute sa vie au théâtre en vendant des Esquimaux à la sortie de la Comédie française, Molière et Mico seront toujours présents dans le cœur des petits et des grands. Si je parle de mon beau-frère, c'est parce que grâce à ses relations, il a su m'introduire auprès des plus grands qui savaient apprécier chez lui la chaleur de son bâtonnet glacé. En effet, lorsque je suis arrivé à Paris sans un sou en poche... Ah d'accord, très bien. D'accord, oui, on me fait signe d'abréger un peu mon discours parce que la soirée va être suffisamment chiante comme ça.
pour que ça ne soit pas la peine d'en rajouter. Nous allons donc passer tout de suite à la remise du Molière du meilleur acteur dans un troisième rôle. Pour une pièce subventionnée dans un théâtre régional de moins de 30 places, adaptée en français à partir d'un texte étranger de langue non latine. J'appelle pour remettre ce trophée un metteur en scène dont la réputation n'est plus à faire, puisque vous avez tous en mémoire cette merveilleuse création scénographique de la mouette de Tchekhov au théâtre des Charbonniers de Roubaix, montée avec sa fabuleuse troupe de pygmées du Japon. J'appelle mon grand ami Miroslav Berniouk. Bravo! 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 Bonjour! C'est sa femme qui doit être contente. Ah, Miroslav, j'évoquais à l'instant ton immense succès de la mouette. Quel beau souvenir! Oui, beau souvenir! Beaucoup mouette! Quick! Beaucoup pygmée, pas beaucoup spectateur. Beaucoup fric pour moi. Il y a déjà de cela 15 années. Et depuis, tu n'as pas retravaillé. Quelle horrible injustice! Pas la peine, moi, avoir gagné suffisamment fric. Beaucoup subvention pour moi, pygmée, rien du tout. As-tu de nouveau des projets, Miroslav? Peut-être monter Chaperon Rouge, oh. Adapté par mon ami, le poète Joseph Malboulouk. Oh. Actuellement réfugié politique. En France? Dans hôtel particulier, Neuilly, très bien logé. Et vous allez monter ce spectacle au théâtre des Charbonniers de Roubaix, à la salle Pablo Neruda de Villetaneuse? Non, centre culturel Mireille Mathieu à Monaco. Encore plus de fric. Eh bien, mon cher Miroslav, en ce moment, toute la grande famille du théâtre te regarde et t'admire. Et j'ai notamment une pensée pour notre vieil ami Gédéon Trinchard, qui malheureusement vient de nous quitter. Ah bon, il est déjà parti au restaurant et... Ah non, il nous a quittés définitivement. Ah, capote. Oh là là, suis-moi. Oui, enfin, lui, maintenant, il est raide. Ah, lorsque nous évoquons la mémoire de Gédéon, nous avons tous à l'esprit immédiatement sa formidable interprétation lorsqu'il faisait la voix de Oui-Oui en dessin animé. Ah, Oui-Oui. Ah, Oui-Oui. Ah, Oui-Oui. Ah, Oui-Oui. Eh bien, il est temps maintenant, Miroslav, que tu nous dises qui... Oui. Ah, d'accord. Très bien. Oui, on me fait signe d'accélérer un peu pour garder le rythme de cette soirée afin qu'elle soit le moins chiant possible. Donc, nous ne dirons pas... Tant pis pour eux, qui sont les nominés pour le Molière du meilleur acteur dans un troisième rôle pour une pièce, etc., etc. Tu vas nous dire tout de suite, Miroslav, quel est l'acteur qui a reçu ce Molière? Voilà l'enveloppe. Alors, le Molière est attribué à... Miroslav, il faut que tu lises le nom qui est dans l'enveloppe. On le connaît, le nom. Ah oui, mais... Ah oui. Pour la télé, ah, ouais. On fait semblant. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah, ouais. Oh. 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 Ça va comme ça, c'est... Alors, le Molière attribué à Dimitri Berniouk. Oh, bravo, bravo, bravo. Bravo. Très ému, parce que c'est mon frère. Oh, oh, quelle merveilleuse surprise. Oh, grande surprise. Je suis au courant que depuis 15 jours. Oh, surtout que l'année dernière, c'était ta sœur. Oui, très ému aussi l'année dernière avec ma sœur. Et que l'année prochaine, sans doute, ce sera ta femme. Oui, ouais. Pareil. En tout cas, je crois, mon cher Miroslav, que ce Molière est vraiment mérité. Ah oui, surtout qu'il n'est pas du métier. Oui. Bah, ta sœur non plus, d'ailleurs. Non plus. Oui. Moi non plus. Oh, chers amis, chers publics qui regardez en ce moment cette cérémonie Molière, sachez que la famille Berniouk est une immense famille d'acteurs. Et si vous avez un jour l'occasion de les voir passer chez vous, dans votre région, n'hésitez pas ce soir-là
à regarder la télévision. Bien. Je pense que ton frère Dimitri va venir nous rejoindre. Non, Dimitri, pas à venir ce soir. Comment il n'a pas réussi à obtenir son visa pour assister à la cérémonie? Non, lui est déjà au restaurant pour fêter victoire avec copine. Lui, pas vouloir se faire chier à la soirée. On le comprend. Mais il m'a chargé de lire une lettre, puisqu'il savait qu'il avait Molière. je remercie tous ceux qui ont voté pour moi alors qu'ils n'ont pas vu ma pièce, et ceux qui l'ont vu et qui sont partis à l'entracte et qui ont quand même voté pour moi parce que le comité des Molières les a obligés. Merci pour leur courage et leur indépendance d'esprit. Je voudrais dire aussi un mot à Madame la ministre sur les conditions de travail de plus en plus difficiles des employés de Comédie Française. Puisqu'ils ne sont plus que 24 aujourd'hui pour balayer la scène tous les soirs, au lieu de 48, madame. Et qu'on vient de supprimer à la cantine la possibilité de choisir entre 3 plats de viande et 2 plats poissons. En effet, il n'y a plus à midi le choix entre 2 plats de viande et 2 plats poissons. Le 3e plat de viande étant, madame la ministre, le 3e plat de viande, madame, remplacé par des pâtes. Que diriez-vous, madame, si à la cantine du ministère culture, on vous proposait bœuf ou gigot d'agneau ou pâtes? Alors qu'avant, vous aviez le choix entre bœuf, agneau ou porc. Répondez. Répondez. Vous aviez le choix entre bœuf, agneau ou porc et maintenant pâte. Ravioli ou macaroni. Oh, ta gueule. Ou spaghetti. On s'en fout, on s'en fout. C'est... Oh, pourquoi pas dire... coquillettes. On s'en fout, les coquillettes, non, non. Non, non, ça va. Nous n'avons pas le temps, malheureusement, garde. Petite coquillette. On s'en fout, les coquillettes. Nous n'avons pas le temps, malheureusement, de laisser répondre à la ministre, madame le ministre, puisqu'elle est déjà partie. En effet, il est déjà 2h du matin, nous devons malheureusement rendre l'antenne. Eh bien, je sais que lorsque cette émission a commencé, vous étiez plus de 250 devant vos postes de télévision. 250 000. Non, 250. Et à l'heure actuelle, à 2h du matin, vous êtes encore 40 devant vos téléviseurs. C'est un immense succès pour le service public. Vive France 2! 40 000. Non, 40. 41 avec mon beau-frère. Ah. En tout cas, cher public, vous qui avez assisté en direct à cette retransmission de la cérémonie des Molières depuis le théâtre des Champs-Élysées, j'espère que cette cérémonie vous aura redonné à tous le goût et l'envie d'aller au théâtre. Moi, je vais au restaurant. Ah ben, t'as raison. En effet, cher public, en effet, il faut aller au théâtre, comme le disait Molière. Le théâtre, c'est la vie. Au théâtre, vous verrez des acteurs qui sont vivants. Qui... Ah! Ah! Bonjour, monsieur. Monsieur. J'aurais voulu une baguette, s'il vous plaît. Oui, une baguette comment? Pas trop cuite. Oui, mais quel genre de baguette? Ah oui, vous voulez dire moulée, pas moulée? Oh, ben ça m'est égal, alors là... C'est pour manger avec quoi, votre baguette? Ah ben, je sais pas, moi, c'est pour tout. C'est pour pousser ma viande, c'est pour saucer, c'est pour tremper mes tartines le matin dans le café au lait. Enfin, une baguette normale faite avec du pain, quoi. Du pain normal, ça n'existe pas, monsieur. Non, mais attendez, je suis bien dans une boulangerie, ici. Non, monsieur, ici, il n'y a pas de boulangerie. Ici, vous êtes dans un atelier du pain. Ah, et vous, vous n'êtes pas boulanger? Non, je suis maître boulanger. Ah, oui, vous avez un label, comme les poulets. Vous êtes ici, monsieur, chez un maître boulanger artisan de France, fabricant agréé farine complète, label moulin de pays, cuisson four en bois à l'ancienne. Vous voulez dire four à bois? Non, four en bois, comme chez les Gaulois. Ah. Et le four ne prend jamais feu? Si, justement. Et les copeaux de cendre retombent dans la pâte avant qu'elle soit cuite.
Mais c'est pas mauvais pour la santé, ça, le bois brûlé? Au contraire, le charbon est très bon pour la digestion. Et restitue le goût authentique du blé récolté avec l'âne et le bœuf. Ah oui, en effet, oui. Eh ben alors donnez-moi, je ne sais pas moi, celle-là là qui m'a l'air bien là. Campaillette. Oui, oui. Pain complet blanchi à la farine de soja avec morceaux de lard et artichaut. Bah oui, enfin, le lard et l'artichaut le matin dans le café au lait. Et celle qui est à côté là qui m'a l'air plus dorée. Croustillette. Oui. Un peu plus doré. Et plus doré. Et plus doré, plus doré. Avoine, orge et son. Ah, c'est pour les chevaux? Particulier au goût, mais très bon quand on a des problèmes de transit. Ah oui, mais là, voyez-vous, moi, monsieur, je suis loin de chez moi. Et si j'ai un petit creux, je ne voudrais pas avoir d'ennui sur la route. Et le petit rond qui est à côté, là? La bâtardette. Oui. Noix, olive, ail et persil. Bah, enfin, l'ail le matin... Sinon, j'ai la trifouillette qui a beaucoup de succès. Et elle est fourrée à quoi, votre trifouillette? Anchois, sardines. Bah, enfin, si je fais griller du pain le matin dans mon appartement, ça va sentir le poisson dans tout l'immeuble. Sinon, il me reste deux croupettes, une déjeunette, un pavé au pavot, une chapata. Vous n'avez pas la chapatinette, ça me permettrait de me déplacer. J'ai aussi la merguezouillette pour manger avec le couscous. Vous n'avez pas la branlounette quand on est tout seul. Il m'en reste une demi, je vous la tranche. Ah non, non. Non, non, surtout pas, je préfère la garder entière. Pourquoi n'essayeriez-vous pas la pingolette? Ah mais je sais pas moi pourquoi j'essaierai pas la pingolette. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du saucisson et des asperges? Non monsieur, celle-là c'est celle qui se rapproche le plus du pain d'autrefois, elle est nature. Bon bah alors allons-y pour la pingolette. Mais la pâte est aux œufs de pingouin. Ah oui. Oui je me disais aussi, oui. Vous n'auriez pas la whisty-tête avec des poils de singe? Parce que j'en aurais bien pris une avec une fougasse à la bouse d'éléphant. S'il vous plaît monsieur, restez correct hein. Nous sommes ici dans une maison sérieuse. Ici, nous sommes boulangers de père en fils depuis mars 2004. Donc, une baguette normale à la con avec rien dedans, ça n'existe pas. Si, monsieur, mais pas chez nous. Bon, bah alors, je vais aller au supermarché à côté m'acheter des biscottes. J'en ai des biscottes. Ah oui, ah oui, ah oui, et à quoi? Au petit pois. Ah oui. Oui, je me disais aussi, oui. Bon, écoutez, ça ne fait rien. Je ne vais pas prendre de pain ni de biscottes. Je vois que vous avez des tartes, là, qui m'ont l'air pas mal. Donnez-moi donc une tarte aux prunes pour 6 personnes. Bien sûr, monsieur. Votre tarte aux prunes, vous la voulez à quoi? En direct sur TF1, le grand débat en partenariat avec, deux points, Europe 1, RTL, Rire et Chanson, Radio Gay, Télérama, Voici, Le Monde, Libération, Le Figaro, L'Humanité, Le Perche Libre, Le Maine Libéré, Femme d'aujourd'hui, Montricot mon ouvrage, Le Chasseur français, Babar et Le Monde diplomatique. Premier tour de l'élection présidentielle, à une semaine du deuxième tour, le grand débat vous est proposé entre les deux candidats restant en lice, Madame Ségolène Je me la pète Je vais solutionner les problèmes. Et monsieur Nicolas, j'ai gagné. Bonjour, 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 bonjour.
Bonjour, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour jeune homme. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On va s'occuper de vous, on vous laissera pas tomber. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On laissera tomber personne ici. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. On laissera tomber personne. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Je laisserai tomber personne. On va bien, on va s'occuper de tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, madame. Quel démago. Alors, le tirage au sort vous a désigné, monsieur Jégagné, pour prendre la parole en premier, si vous le désirez. Bien sûr, vous avez la possibilité de laisser commencer madame Je me la pète, auquel cas, ce sera à vous de parler en dernier et de conclure le débat. Ce choix dans l'ordre de passage vous incombe. Que décidez-vous ? Je vais vous dire. Je vais vous dire, puisque j'ai en face de moi une représentante du sexe faible, et je dirais même en ce qui vous concerne, madame, je me la pète, du sexe très faible, les règles de la plus élémentaire galanterie m'obligent à vous laisser commencer le débat. Je reconnais bien là votre style, monsieur Jégagné. Vous avez une galanterie de façade. Puisque vous n'ignorez pas que dans ce genre de débat, il est plus important de conclure que d'introduire. Mais ne croyez pas ça, madame. Pour un homme, parvenir à introduire est très important. Surtout à un certain âge. Bon, vous savez, je ne me sens nullement visé par vos allusions quelque peu grivoises. À l'heure actuelle, je me sens très jeune et en pleine forme. Ce n'est pas ce que j'ai pu lire dans la presse, où votre femme se répand en déclarations peu flatteuses sur votre virilité. Mais vous savez, madame, tout le monde n'a pas la chance comme vous ni le privilège de vivre avec un superman du sexe comme monsieur François Mimolette. Non! Non! S'il vous plaît! Un peu de respect! Depuis le début de la campagne, je laisse mon mari, enfin mon compas, mon concunion. En dehors de tout ça, j'ai d'autres préoccupations. Il doit être content de l'entendre. Parfaitement. Sachez que contrairement à ce qui se passe dans votre couple, il m'obéit au doigt et à l'œil. Il est soumis à mes ordres. C'est un modèle de docilité. C'est lui qui fait la vaisselle, j'imagine. Nous partageons les tâches ménagères. Oui, mais ça, je sais qu'il en fait beaucoup, notamment sur son costume. Je m'occupe des réceptions, des sorties culturelles, pendant qu'il aide à la maison. C'est un homme moderne. Il est moderne. Pas comme vous, qui incarnez les vieilles recettes phallocratiques du passé. C'est vrai, madame, que compte tenu de mes responsabilités actuelles, j'ai peu de temps pour me distraire avec une lavette au-dessus de l'évier. Vous, c'est pas la lavette que vous utilisez, vous, c'est le Karcher. Ça doit être propre chez vous. Mais parfaitement, madame. C'est propre parce que je suis un homme propre. Je n'ai pas de taches d'huile et de sauce tomate sur mon veston comme votre compagnon quand il vient déjeuner à la cantine de l'Assemblée nationale. Parce que ça, madame, je me la pète. Il faut que les Français le sachent. Madame, il faut que les Français le sachent. Monsieur Mimolette n'a aucune tenue à table. Ce n'est pas de sa faute s'il se tâche. Il est issu d'un milieu modeste, de parents immigrés qui venaient de Hollande. Mais... Madame Delanoé. Madame... Excusez-moi, je me suis trompé. C'est à cause du costume. Et de la barbe. Non, soyons sérieux, revenons dans le débat. Non, c'est un débat sérieux, revenons dans le débat.
Non, non, c'est... Je me suis trompé, c'est une erreur. Revenons dans le débat. C'est... Vous m'avez posé une question, je vais revenir à votre question, je vais répondre à votre question. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question, madame, je me l'appelle. Je vais répondre à votre question. Vous m'avez posé une question, je vais répondre à votre question. Vous m'avez posé une question, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Madame, je l'appelle, je vais répondre à votre question. Je sais plus ce que c'était comme question, mais je vais répondre à votre question. Je vais vous répondre, madame, je me la pète. Non seulement j'aime les immigrés, madame, mais je suis moi-même issu d'une famille d'immigrés. Et chez moi, on ne mangeait que des boulettes. Mais les boulettes, on les mangeait proprement. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste de la boulette. Surtout quand vous parlez des banlieues. Mais réfléchissez, madame. En banlieue, ils n'entendent pas mes propos, puisque dès qu'ils me voient à la télévision, ils changent de chaîne. D'ailleurs, à ce sujet, les Français aimeraient bien savoir quel est le programme du Parti Socialiste en matière d'immigration. Je ne suis pas là pour parler du Parti Socialiste. Je suis là pour parler de moi. Et en ce qui me concerne, je tiens à préciser que j'aime les Noirs, j'aime les Arabes, j'aime les Asiatiques. Surtout quand ils sont jeunes, beaux et en treillis militaires. J'aime aussi les Indiens, les Brésiliens, les Hindous. Oui, les Pygmées, les Esquimaux, les Québécois. J'ai pas encore essayé de Québécois. Hein. J'attends l'indépendance. J'aime aussi les cordonniers, les plombiers, les pâtissiers, les mécaniciens. Oui, les livreurs de pizza, les pompiers. J'ai pas encore essayé de pompiers. Alors ça, vous devriez demander à Mimolette de vous montrer. Il a pas le temps. En tout cas, j'aime les gens. Oui. Oui. Je ne suis pas comme vous, qui renvoyez les émigrés dans leur pays. Parfaitement. Restez calme, madame, je me la pète. Restez calme. Faut pas s'énerver, madame. C'est un débat important pour savoir qui sera président de la République. Faut rester calme. Quand on veut devenir président de la République, madame, faut rester calme. Et là, vous vous êtes énervée. Permettez-moi de vous dire, madame, que là, vous avez perdu vos nerfs. C'est pas bien. Vous avez perdu vos nerfs, faut pas perdre ses nerfs. Là, vous avez perdu vos nerfs. Faut pas perdre ses nerfs. Vous avez perdu vos nerfs, vous perdez vos nerfs. Vous avez perdu vos nerfs. C'est pas bien, madame. Vous avez perdu vos nerfs. Quand on veut devenir président de la République, faut garder ses nerfs, faut pas perdre ses nerfs. Là, vous avez perdu vos nerfs. 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 Je m'énerve pas, je suis en colère. Alors, madame, qu'est-ce que ça doit être quand vous vous énervez? Parce que là, vraiment, il me semble que vous avez perdu vos nerfs. Maintenant, je vais revenir dans le débat parce que vous m'avez posé une question. Je vais revenir dans le débat, vous m'avez posé une question. Non seulement j'aime les immigrés, madame, je me la pète. Mais je dirige moi-même une ville d'immigrés. Neuilly. Vous appelez ça une ville d'immigrés? Mais parfaitement, madame. Beaucoup de mes administrés viennent de Suisse, de Luxembourg, de Monaco. Et la plupart de ces gens-là n'ont pas droit aux mêmes prestations sociales que les autres Français. La plupart d'entre eux n'ont même pas droit à la carte vitale. Quand une jeune femme de Neuilly, chez moi, veut se faire refaire le visage pour de légitimes raisons esthétiques, elle est obligée d'aller dans une clinique privée à Miami ou à Genève. Franchement, madame, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que si vous, madame, vous trouvez ça normal, moi, je trouve pas ça normal. Si vous, vous trouvez ça normal, moi, je trouve pas ça normal. Si vous, vous trouvez ça normal, moi, je trouve pas ça normal. Pour la clinique, vous me donnerez l'adresse, hein? Ça m'intéresse, hein? C'est pour vous ou pour Mimolette? Ah, soyez poli, hein, ça peut pas être pour moi. Je me suis déjà fait refaire la poitrine et limer les dents. Tout le reste est d'origine. Non, c'est pour Mimolette, je le trouve un peu rond. Je voudrais qu'il se fasse liposucer. Alors ça, madame, ça peut peut-être s'arranger avec un joli costume. Je connais un petit tailleur qui est près de chez moi qui peut lui faire un bon prix. Ou sinon, vous lui mettez une gélaba, et comme ça, vous verrez pas ses formes. Non, non, si je suis élue présidente, je l'habillerai chez Jean-Paul Gaultier. On le mettra en jupe, puisqu'il deviendra première dame de France. Mais je croyais, madame, que vous étiez pour l'égalité des sexes. En tout cas, vous, vous n'êtes pas pour l'égalité des chances. Au contraire, madame, chez moi, dans ma commune, le fils d'un émir du Koweït a autant de chances de réussir que le fils d'un banquier suisse. Alors que dans beaucoup de mairies socialistes de la banlieue parisienne, le fils d'un émir n'a aucune chance de réussir. Parce qu'on lui brûle sa Ferrari, on la lui caillasse. Franchement, madame, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que si vous, vous trouvez ça normal, moi, je trouve pas ça normal. Si vous, vous trouvez ça normal, moi, je trouve pas ça normal.
Vous savez très bien que je suis contre la violence, mais j'aime les délinquants. Surtout quand ils sont jeunes, beaux et en treillis militaires. Je me propose pour les remettre dans le droit chemin de les accueillir chez moi, dans mon centre de redressement privé, où j'élabore une technique de réinsertion socio-professionnelle en accord avec les associations de quartier pour les petits branleurs qui n'ont rien foutu à l'école, mais qui ont de beaux yeux. Et est-ce qu'on peut savoir, madame, en quoi consiste cette technique de réinsertion? Ma technique, c'est ça. Elle te plaît, ma technique? Je dois dire qu'elle est beaucoup plus convaincante que votre programme. Mon programme, on s'en fout. C'est la bande à Mimolette qui l'a écrit. Ça les occupe. Allez, viens chez moi, je vais te réinsérer. J'arrive. Où tu vas? Mais je vais en banlieue cramer des bagnoles, comme ça je pourrais enfin aller dans ton centre. T'emmerdes pas, y a Mimolette qui m'attend en bas dans sa Twingo. Tu lui pètes une vitre et tu lui fous un pain depuis le temps que t'en as envie. Oh merci, je sens qu'avec toi je vais pouvoir enfin réaliser tous mes rêves. Merci qui? Merci maîtresse. Maîtresse comment? Maîtresse présidente. Voilà. Et voilà. Et moi, je suis arrivé le premier de la course parce que moi, j'ai pas perdu mes nerfs. Alors, je tiens à vous dire d'abord que je suis très content d'être président de la République parce que d'abord, je suis entouré de gens qui sont remarquables. Mon premier ministre est remarquable. Mon équipe gouvernementale est remarquable. Enrico Macias est remarquable. Ma femme, Rachida. Enfin, je veux dire, en tout cas, la prochaine, je pense qu'elle sera remarquable. Ça se passera pas comme ça! Je me vengerai! C'est pas normal que j'ai perdu! Lumière! Oh! Lumière! Oh! Je suis pas encore morte! Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font! Vous avez vu la façade, c'est un très bel immeuble. C'est en pierre de taille? Non, c'est de la pierre de Paris jusqu'au rez-de-chaussée, du torchis jusqu'au deuxième, et après c'est un mélange briques, bois et plâtre, comme on en faisait à l'époque. C'est pas Haussmann alors? Si, la cave, puisqu'on est juste au-dessus des catacombes. Et après, ça a été refait. Vers 1900? Un peu plus, Pompidou. La cour est petite, hein, y a une drôle d'odeur. Il n'y a pas de local à poubelle? Ah, ça vient d'être voté. Les travaux commencent dans 2 ans. Le monsieur qui a les 2 bergers allemands, c'est le gardien? Oui, mais ce sont des bergers portugais. Ah oui, que je suis bête, puisque c'est le gardien. Naturellement, vous avez pu apprécier les parties communes. Ils sont pas ordinaires, hein. Mais dites-moi, tout le monde prend le même escalier? Ah bah forcément, c'est un escalier roulant, comme aux Galeries Lafayette. Ah mais il est transparent? Oui, oui, avec des marches. Ouais, mais ça m'ennuie de le prendre parce que je risque de rencontrer des gens que je connais pas. Ah non, 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 mais il y a aucun danger, les gens sont tellement bien dans leur appartement qu'ils ne sortent jamais de chez eux. Et c'est calme? Oh bah très calme, on est au premier étage, boulevard du Montparnasse. Vous n'entendrez rien. C'est sûr, avec le bruit de la rue, j'entendrai même pas la radio. Détrompez-vous, monsieur, il y a une très bonne isolation. Les vitres sont en briques. C'est une réalisation haut de gamme. Il y a de la moquette au plafond? Ah bah bien sûr, on est en catégorie luxe. C'est pas trop chaud l'été, la moquette au plafond? Ah non, 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 au contraire, ça isole, et l'hiver, vous économisez l'énergie. Ah mais l'été, je vais transpirer du crâne! Ah non, 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 monsieur, mais non. Il y a une climatisation par le sol, vous êtes refroidi par les pieds. Enlevez vos chaussures, vous allez sentir le frais. Bon, je vais pas le faire maintenant, j'ai un problème de chaussettes. Ah. Dites-moi, il n'y a pas de chambre? Ah bah non, mais vous pouvez en faire, hein, on peut largement, il y a un très beau volume. Vous prenez sur la cuisine, par exemple. Elle est où, la cuisine? Mais ça, monsieur, vous la mettez où vous voulez. Moi, je serais vous, je prendrais sur les cabinets pour bénéficier de l'arrivée d'eau. On peut largement, il y a un très beau volume. Ça plaira à ma femme, parce que chez nous, les cabinets, elle a du mal à y entrer. Ah bon?
Ouais, elle a un très beau volume. Ah. Parfois, faut que je la pousse. Je suppose que pour en sortir, elle a plus de facilité. Le cas échéant. Alors, dites-moi, ça fait quelle surface, là? Alors, sol, mur, plafond, ouverture, palier, on est à 220 mètres carrés. Vous comptez le palier? Ah bah toujours, monsieur. Dans certaines agences immobilières, on compte même le paillasson qu'on rajoute en surface corrigée divisée par 3. En loi Carrez, ça fait combien? 48 mètres carrés, 22. Ah, ça paraît plus grand. Ah ben c'est normal, monsieur, vous avez une très belle hauteur sous plafond, on est à 2,04 m. C'est pas très grand, 2,04 m. Ah ben en tout cas, le propriétaire précédent ne s'en plaignait pas, c'est vrai qu'il était nain. Oui, je sais, il est mort à Interville. Ouais, mais moi, je suis pas nain. Oh ben non, ben vous, monsieur, évidemment, c'est tout le contraire, vous êtes très grand, alors. Non. Oh, si, monsieur, vous êtes très très grand. Je suis pas plus grand que vous. Enfin, vous êtes beaucoup plus grand que moi, monsieur, enfin voyons, mais... Combien taillez-vous? 1m73. Bon, alors là, moi, je ne les fais pas, j'en suis même très loin. En tout cas, si vous ne les faites pas, vous les paraissez. Oui, moi, je ne dis pas que je n'y arriverai pas un jour ou l'autre. On espère tous gagner un peu avec l'âge. Hein. C'est une question de discipline, hein? J'ai un grand-père qui est mort à 2m40. Oh! Oh là là, mon Dieu, comme c'est beau. Oui, mais à cette époque-là, vous comprenez, ils avaient une hygiène de vie, ils mangeaient de bons produits. Ah, à propos de nourriture, je vois pas bien où est la salle à manger. Mais elle est intégrée à la pièce à vivre, monsieur. Entre le dressing et le jacuzzi. Ah oui, mais ils sont où le dressing et le jacuzzi? Mais ce sont des espaces à créer, monsieur, c'est l'avantage de cet appartement, vous faites ce que vous voulez. Ce mur-là, par exemple, voyez-vous, eh ben, il n'est pas porteur. Ah oui, mais moi, j'aurais voulu un appartement où je puisse entrer en me disant là je me lève, là je me lave, là je me couche, là j'allume la télé, là j'écoute la radio, là j'épluche mes légumes... Là, je me lave les mains, là, je me lave les pieds, là, je me lave... Merci, merci bien, merci, merci. Ça fait beaucoup d'endroits, ça, monsieur. Oui, mais moi, j'aime bien qu'il y ait un endroit pour chaque chose. Alors, dans ce cas, il vous faut un logement classique, alors que là, on est sur un produit très atypique. Entre le loft new-yorkais et la yourte mongole. Ouais, enfin, non, mais vous auriez pas quelque chose qui soit plus de chez nous. Style Fermet Berrichon, avec colombage et toit de chaume. En plein Paris, ça va pas être facile. Maintenant, si vous aimez le rustique, prenez vos repas chez Maître Canter. En plus, le costume folklorique des serveuses est très aguichant. Ça m'ennuie d'aller là-bas tous les jours. Je viens de me réabonner pour un an chez Léon de Bruxelles. Pour le déjeuner ou le dîner? Les deux. Il m'offre même le petit déjeuner. Café au moule et tartines de frites à volonté. Alors, autre avantage de cet appartement, c'est que vous n'avez aucun placard. Ça me dérange pas, j'ai de très beaux meubles, hein. Ce sont des meubles de collection? J'ai une salle à manger authentique de chez Conforama, certifiée 1980. De toute façon, monsieur, c'est l'avantage de l'espace vide. Une fois que vous l'avez acheté, vous y mettez ce que vous voulez. Parce qu'on se demandait avec ma femme, une fois qu'on est là, on n'a pas d'obligation pour l'ameublement, ou manger dans telle vaisselle, ou cuisiner dans telle moule. Du moment que vous êtes discret, que vous ne faites pas de bruit, que vous êtes propre, vous faites ce que vous voulez, vous n'écoutez pas de musique. Ma femme aime bien Johnny, hein. Il vaudrait mieux Carla Bruni. Parce que les cloisons sont très minces. C'est un système spécial à la japonaise à base de pâte de riz. Ah bon? Ah oui. Il n'y a pas une bonne isolation phonique? Mais on a privilégié le volume, monsieur. Si vous avez des cloisons épaisses, vous aurez moins de place. Bon, c'est embêtant, hein? Si on entend tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. En plus, la pâte de riz, c'est translucide, hein? Quand je suis sous ma douche, Oh, bon, alors ça, monsieur, c'est pas un problème. Quand vous voulez prendre une douche, vous téléphonez à votre voisin, vous lui dites « Bonjour, monsieur, je suis votre voisin, je vais bientôt rentrer en salle de douche. Si vous pouviez ne pas me regarder... » Ouais. Ouais, s'ils sont à table, je leur demande de détourner le regard quand je me savonne. Voilà! Ben oui! Ouais. Mais oui. Et pour madame votre épouse, la grosse, pareil. Pareil, quand je la savonne. On peut toujours s'arranger avec le téléphone. Oui. Alors maintenant, évidemment, monsieur, si vous voulez une bonne isolation sonore et visuelle, j'aurai un autre produit. Mais on ne sera pas du tout dans les mêmes volumes. C'est de l'ancien à la campagne 14e siècle. Oui. Avec des murs d'1m80 d'épaisseur, seulement la chambre fait 2m². Faut dormir debout. Non, j'aime bien avoir mes aises. Ah ben, il me semble. Et 2m², ma femme, elle rentre pas. La grosse, elle rentre. Enfin, ça me paraît pas mal, il est à combien? Venez. Alors, le propriétaire... Oui. Dans l'idéal, en demande 1 million d'euros.
Pour quelle surface, déjà? 48 mètres carrés, 22. On est à 20 000 euros le mètre carré, c'est très raisonnable. C'est quand même cher. Ah, oh, bah oui, mais monsieur, ici, vous avez tout sous la main. Ouais, enfin, bon. Est-ce que vous savez seulement, monsieur, qu'ici, on est moins cher qu'à Tokyo? Ouais, bon. Non, monsieur, est-ce que vous savez seulement, monsieur, qu'ici, on est moins cher qu'à Tokyo? Non. Est-ce que vous le saviez, ça, monsieur, qu'ici, on était beaucoup moins cher qu'à Tokyo? Est-ce que vous le saviez, ta monsieur, qu'on était beaucoup moins cher qu'à Tokyo, été? Vous le saviez, ta monsieur, qu'on était beaucoup moins cher qu'à Tokyo, été? M'en fous de Tokyo! Mais ça dépend où travaillez-vous? Bagnolet. Ça fait loin, c'est vrai. Ça a pas baissé l'immobilier? Au contraire, ça n'arrête pas de monter, c'est le moment d'acheter. On a vendu récemment un produit comparable, dans les mêmes volumes, 1,2 million. Où ça, à New York? Non, à Saint-Ouen, au bord du périphérique. C'est pas moins cher, là-bas? Ah, mais le produit était exceptionnel, 3 WC par pièce. Il y avait combien de pièces? 3. Ça fait 9 WC. Très rare en région parisienne. C'est un produit très demandé. Très, très demandé, n'est-ce pas? C'est un plus. Vous comprenez, 9 WC, les gens ne se gênent pas. Ah, j'aurais bien aimé le visiter. 9 WC. Il est parti tout de suite. Un fabricant de lunettes. Ah, je suis tenté par celui-ci, hein. Évidemment, il faut que je réfléchisse, hein. Le prix est négociable. Quel est votre budget? Vous dites 1 million d'euros. Bon. En acompte, je peux mettre 1000 euros. Cash. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon gars? Hein? Et je prends un plan de financement à ma banque sur 50 ou 60 ans. Ah, ils me connaissent bien, hein? Tous les mardis, je passe au guichet déposer la paye de ma femme. Ils savent qu'avec moi, il n'y a jamais d'embrouille. Hein. C'est madame qui est dans les affaires. Ouais, c'est elle qui est dans le business. Pognon, le... À très haut niveau, hein. Là, le fric, là, ça y va. Et marchande de crêpes. Ah. Mais trop bonne nouvelle. Ah, c'en est une. Mais attention, elle y va, hein. Ah, elle débite, hein. Ah, elle y va, la grosse. Ah, elle en fout de la confiote, hein. Ah, d'ailleurs, elle va nous couler la boîte, hein. Elle est tellement conne. Elle est trop généreuse sur le pot. Voilà. Voilà. Enfin, écoutez, décidez-vous vite. Je ne vous cache pas qu'on a une option sérieuse, mais vous avez de la chance, rien n'est signé. 1 million d'euros, vous dites que c'est le prix du marché. Ah ben, vous ne trouverez pas moins cher, en tout cas pas à Paris. Chez les pygmées, peut-être. Ah oui, les pygmées. Je crois que chez eux, le mètre carré est à 1,5 euro. Donc... 1 euro. Non, un demi, chez les pygmées, un demi. Ah oui, c'est en demi, là-bas. Ah oui. Vous avez quand même une sacrée différence. Ah ben... Hein. 40 000 fois moins, ça commence à compter, hein? Dites-moi, il y a une agence de voyage dans le quartier, non? Oui, au bout de la rue, là, pourquoi? Non, parce qu'avec ma femme, je crois qu'on va aller se loger chez les pygmées. Tu fais des rêves, toi? Oui, mais surtout la nuit, quand je dors. Il vaut mieux rêver chez soi parce qu'au travail, on est souvent dérangé quand on dort. Il y a toujours un coup de fil ou le chef de service qui veut un papier tamponné. Alors que chez soi, dans son lit, on est rarement dérangé. Alors il paraît, enfin c'est ce qu'on dit, hein, que tous les rêves ont une signification cachée. Ah bon, cachée? Comment ça? Eh ben, par exemple, si tu rêves d'un cheval, ça ne veut pas dire que tu as vraiment rêvé d'un cheval. Pourtant, je l'ai vu, le cheval! Oui, mais il y a un sens caché. Ça peut très bien être une personne humaine qui, dans ton rêve, revêt l'apparence d'un cheval. Ça, c'est drôle, alors, parce que justement, l'autre jour, j'ai rêvé d'un cheval. Ouais. Et je pensais que c'était parce que j'avais joué au tiercé. Oh non, ce serait trop simple, ça. Non, qu'est-ce qu'il faisait, ton cheval? Il galopait, il était à l'écurie? Il était à l'écurie, ouais. Et j'allais le caresser en lui donnant un sucre. Ah, voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est l'écurie pour le cheval? C'est sa maison. Eh ben toi, dans ton rêve, l'écurie, c'est ta maison. Ouais, mais chez moi, c'est plus grand, hein. Il y a le confort. Non, mais il s'agit de la maison sur le plan symbolique. Ah, là. Qui est-ce qui habite sous ton toit en ce moment? En ce moment, on héberge ma belle-mère, parce qu'elle est en travaux.
Encore? Ben, elle était à l'hôpital le mois dernier. C'est sa maison qui est en travaux. Ah, ouais. C'est pour ça qu'elle habite chez nous. Ouais. Et quel âge elle a, ta belle-mère? Elle va sur ses 70 ans. Elle a les cheveux gris, je suis sûr. Comment tu le sais? Et ton cheval, il avait une robe grise? Comment tu le sais? CQFD, ils ont tous les deux la même couleur de poils. En fait, dans ton rêve, le cheval, c'est ta belle-mère. Pourquoi j'irais donner un sucre à ma belle-mère? Elle est diabétique. Ça, c'est parce que tu lui veux du mal à ta belle-mère, puisque le sucre, c'est mauvais pour elle. Pourquoi je caresserais ma belle-mère? Tu le caressais comment, ton cheval? De la tête à la croupe? Ouais, comme ça. Ah, c'est ça? Bah oui, eh oui. Dans le sens du poil. Voilà. Eh ben voilà. Là. Eh oui, bah oui. Ah. Après, je lui flattais la croupe. En tapotant. Non, mais je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, j'ai compris. En réalité, tu veux te débarrasser de ta belle-mère. Enfin, tu veux la faire partir de chez toi, bien sûr. Seulement, tu veux pas qu'elle s'en rende compte, alors tu fais mine d'être gentil avec elle. Ouais, mais ma belle-mère, je... je lui flatte pas la croupe, là. Non. Mais non, bah, tu lui soulèves pas la queue non plus. Mais non, mais tu la flattes, c'est symbolique. Comment tu la flattes? Ouais. Symbolique. Je suis sûr que t'es mielleux avec elle. Je suis poli, sans plus. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'argent et que je voudrais m'acheter une nouvelle voiture. Eh ben voilà. Mais c'est pas compliqué, l'interprétation des rêves. Tiens, moi, pas plus tard que la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais avec Sharon Stone. Mais si ça se trouve, c'est pas avec elle que j'étais. Ton rêve était érotique? Oh, pas plus que ça. En fait, elle avait un comportement bizarre. En réalité... Elles sont spéciales, hein, ces actrices d'Hollywood, hein. J'allais chez elle pour lui livrer une pizza. Bon. Ah bon? Elle mange des pizzas, Sharon Stone! Ben, je sais pas, mais là, dans le rêve, elle avait envie de pizza. Non, parce qu'on l'imagine plus caviar et champagne. Hein. Dans la vie, oui, mais dans un rêve, Sharon Stone, elle peut très bien vouloir manger de la pizza. Ah oui, puisque c'est dans un rêve. Ah oui. Elle avait commandé quoi? Une 4 saisons, une 4 fromages? Non, une 4 saucisses. Ça existe, ça? Ben, je sais pas, mais là, dans le rêve, elle avait envie de saucisses. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une femme qui a envie de saucisses. Toujours est-il que sur sa pizza, il y en avait que trois, il en manquait une et qu'elle n'était pas contente, hein. C'est sympa, chez elle, il y a de jolies choses. Il doit y avoir une piscine, non? Ouais, j'ai pas vraiment fait attention à son intérieur. En fait, j'étais surtout fasciné par son regard. Surtout qu'elle était nue. Si ça se trouve, Sharon Stone, tu vas la rencontrer. C'est peut-être prémonitoire. Ah bah ça, c'est encore autre chose, les rêves prémonitoires. Ouais, mais ça existe. Bah bien sûr que ça existe, les rêves prémonitoires, évidemment. Parce que moi, l'autre jour, ouais. Je rêve que Nicole Kidman non. sonne à ma porte. Non, c'est pas vrai, non. Et que je vais lui ouvrir en pyjama, ouais. à peine réveillé. Non, c'est pas vrai. Ah non, 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 non. Eh ben, 2 heures après, vers les 8 heures... On sonne à ma porte! Je vais ouvrir le releveur des compteurs. Et alors? Mon rêve s'est réalisé. Parce qu'on a sonné à ma porte. Enfin, c'était pas Nicole Kidman. Non, mais j'avais le même pyjama que dans mon rêve. T'as dû être déçu en voyant la tête du gazier. Non, parce que la prochaine fois, si je rêve à un employé du gaz, je me dis que j'ai peut-être une chance de tomber sur elle. Moi, une fois comme ça, j'avais rêvé que je volais. Dans un magasin? Non, non, j'étais en l'air, au-dessus de la tour Eiffel. C'était à Paris? Ah, ça... T'as rencontré une hôtesse de l'air? Non, mais il paraît que dans un rêve, quand on vole, c'est sexuel. Ouais, on le dit, ça. Ouais, ouais. L'autre jour, j'ai rêvé que j'étais un poulet. Ouais. Ah, j'étais dans une cour et un type me poursuivait. Mais je pouvais pas voler, je faisais...
et j'étais plaqué au sol. Ben, tu pouvais pas voler, c'est normal. Sac 10 plumes, un poulet. Et dis-moi, il t'a chopé le gars dans la cour? Non, parce que je gueulais, hein. Je lui ai dit, si tu m'attrapes, je te mords et t'auras la grippe aviaire. T'avais des dents, c'est moche pour une poule. Mais ça, c'est pas un rêve que t'as fait, c'est un cauchemar. Et en général, quand on fait un cauchemar, c'est dû à un problème de digestion. Qu'est-ce que t'avais mangé la veille au soir? J'avais passé le week-end en Alsace, chez mon beau-frère. Ton beau-frère, c'est le mari de ta sœur? Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est le frère de ta belle-sœur. C'est celui qui est dans la police. Ah, bah c'est pour ça que t'es arrivé de poulet. Non, c'est parce que leur cuisine est très lourde. Lui, il est de Colmar et elle de Castelnaudary. Oh là là, ça doit faire un bon mélange au niveau culinaire. Ouais, mais pas en été, hein. Là, il m'avait fait un Spunzel Cassoletto. Qu'est-ce que c'est ça déjà, le Spunzel Cassoletto? Je connais, mais je me rappelle plus. Non, non, ça m'étonnerait, c'est eux qui l'ont inventé, hein. C'est une goulache de boudin et de lard servie dans une miche de pain rassis, recouverte de tripes et de fromage fondu à l'huile. Oh là là, et alors avec ça, un bon petit Cahors? Non, de la bière tiède avec du schnapps. Mais avec modération, parce qu'il y a déjà eu des morts. Mais oui, mais tu pouvais pas voler avec ça, t'étais trop lourd. Alors que moi, mon rêve de vol, ça veut dire que je suis léger. Et quand on est léger dans un rêve, ça veut dire que dans sa vie privée, on est libre. Et c'est vrai que je suis libre, moi, dans ma vie. Moi, je fais ce que je veux, moi. J'ai pas de limite, pas de barrière, pas de tabou, pas de frontières. Je sors la nuit en boîte, je rentre à 5h du matin, je drague. Et ta femme, alors? Ah ben, c'est avec elle que je fais ça. Je sors la nuit en boîte quand elle veut, je la drague quand elle veut, je rentre à l'heure qu'elle veut. Quand vous vous couchez? C'est pareil, c'est quand elle veut. Ah, évidemment, les rêves, c'est pas toujours comme on voudrait, hein. Ah oui, mais ce qui est bien dans les rêves, c'est que ça permet de rêver. Vivement le week-end. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. C'est sûr, tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. Tu n'as pas les inconvénients. Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, bon, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi, je le dis à mes amis, hein, je vous préviens, je suis invité, j'aiderai pas. Faut surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et puis quand t'as accepté d'aider une fois, ou Marcel une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. L'autre jour, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur! Oh, l'erreur fatale! L'erreur! À l'après-midi, ça a pas loupé, hein. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah non, mais ça, il faut se faire respecter dès le départ. Moi, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. » Pareil quand on me donne un tire-bouchon, « Excusez-moi, je suis pas vitrier. » Mais ne débouche jamais une bouteille chez quelqu'un, c'est un coup de péter une vertèbre et ton assurance marche pas. Paf! Par contre, il y a un bon truc que tu peux faire avec ta bagnole, hein, si elle est déjà un peu bigornée. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Et le lendemain matin, tu leur dis « Oh !» Oh! Vous auriez pu faire attention en reculant. J'ai l'avant qui est tout enfoncé. Et tu fais un constat. Ouais. Ou alors tu les obliges à te donner du liquide. C'est pas parce qu'on est entre amis qu'il faut se laisser faire. Jamais, ça. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin de bouseux. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent. Parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Et alors moi, maintenant, quand je suis invité, je ne fais plus de cadeaux, hein? Oh! C'est ça pas sert... apprécié. Ça sert plus à rien du tout, ça, maintenant, les cadeaux. L'autre jour, j'amène des gâteaux. Ouais, pourtant c'est beau, des gâteaux, c'est beau. Tu sais, des biscuits. Ouais.
Non, mais des bons, hein. Oh. Des très bons biscuits, ceux qui sont dans le coffret allongé en papier, là. Mais tout au beurre, hein. Oh, ça porte un nom, ça. Oh. Des petits beurres. Voilà. Ah ben, bon. C'est pas le biscuit ordinaire, le petit beurre, hein, j'en regrette, hein. Bon, bah déjà, en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention. Oh, oh, comme s'ils en mangeaient tous les jours. Au moment du café... Ah non, 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 mais les gens sont blasés de tout à l'heure qu'il est, hein. C'est incroyable, ça. Au moment du café, ils les ont avalés en 5 minutes. Pas un merci, pas un compliment. Dis-moi, juste une question comme ça, ça peut paraître idiot, mais... Tu leur avais apporté un paquet... entier. Bah oui, ils nous avaient invités 15 jours aux Seychelles. Je me suis dit, allez, ce coup-là... Je mets le paquet. Avec Simone, ma femme. Elle est pas là, mais elle est dans cette direction-là. On avait été invités comme ça 3 semaines en Suisse, chez des amis qui ont un très joli chalet. Bon. Ça devait pas être vilain. Tout frais payé, sport d'hiver compris. Sympa de leur part. Ouais, enfin, moi, tu sais, le ski, hein. J'étais plus souvent au bar, mais ils nous offraient aussi les consommations. Bon. Alors, tel que je vous connais, vous aviez amené quelque chose. Oui, mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Ah, mais les gens manquent d'éducation. C'était quoi, votre cadeau? Bah, tu sais que ma femme travaille dans l'hôtellerie. Ouais, ouais, d'ailleurs, elle est assez haut. Ah, bah, elle est souvent au 6e. Des fois, quand elle fait les chambres, elle trouve des échantillons de savonnette et de shampoing qui n'ont pas été utilisés par la clientèle. Bon. Ou alors vraiment très peu. Elle leur avait fait, mon vieux, un bel assortiment auquel elle avait rajouté, je veux pas dire de bêtises, au moins 2-3 serviettes citronnées rafraîchissantes du restaurant d'en bas qu'elle travaille aussi. Eh ben, ça leur a fait plaisir, mais sans plus. Ils n'ont pas apprécié. Eh ben, ils l'ont pas montré beaucoup, en tout cas. Ça fait quand même de la peine. Parce que je ne dis pas que le cadeau-là avait une grande valeur, mais enfin, l'idée était originale. On s'était creusé, non? Vous auriez peut-être dû rajouter la bonnette de douche. On voulait pas non plus avoir l'air de les écraser sous prétexte qu'ils habitent pas Paris. Hein? C'est vrai qu'en province, ils ont des complexes, ah ouais, par rapport à nous. Hein? Ah ben, c'est pas le même niveau culturel. Hein? Ouais, c'est vrai. Et en banlieue, c'est pire, hein. On plaisante. Oh, oui, oui. Et là où c'est bien agréable aussi d'être chez des amis, c'est pour le téléphone. Hein. Mais évidemment, tu réduis tes frais considérablement. Moi, tous mes clients, je les rappelle le week-end de là où je suis. Bah, pareil pour la famille, surtout que du côté de ma femme, c'est les dom-tom. L'autre jour, nos amis n'en revenaient pas qu'on entende aussi bien Tahiti. Ils voulaient pas me croire, mais j'aurais dit, vous verrez sur votre facture. Et dis-moi, quand tu pars en week-end comme ça, en général, chez des amis, tu restes combien de temps? Pas plus de 3 semaines. Non, je sais rester discret. T'as raison, vaut mieux pas passer pour un goujat auprès de ces cons-là, sinon ils te réinvitent pas. Dis donc, le week-end prochain, tu fais quoi? Parce que avec ma femme, on avait pensé venir chez vous. Oh bah ça c'est drôle, parce que nous, on voulait venir chez vous aussi, dis donc. À ce moment-là, pourquoi on n'irait pas tous ensemble chez les Mimolettes? Ils viennent d'installer une piscine. Attends, quel jour on est? Mardi, c'est bon, on part ce soir, on les appelle? Non, on y va direct. Une fois là-bas, ils nous mettront pas à la porte. On amène quelque chose? Laisse donc. On leur fera un beau bouquet en arrivant. Ils ont de très belles fleurs dans leur jardin. Ils n'en font rien. Dis donc, ça a bien marché le sketch du week-end, hein? Ah oui, oui, il a bien marché, oui, ça c'est vrai. Cela dit, il est connu, hein? Ah bah il est connu, toujours pareil, il est connu de ceux qui le connaissent, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est pas connu puisqu'ils ne le connaissent pas. Ah bah ça me fait rire, il est connu, connu, connu par ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, il est pas connu puisqu'ils connaissent pas. Entends-tu ça? Tu dis il est connu, il est connu. Il est connu par celui qui connaît, pour celui qui connaît pas, il est pas connu puisqu'il connaît pas. Bah oui, ça me fait rire, il est connu, connu. Une chose est connue pour quelqu'un qui la connaît. Pour la personne qui ne connaît pas la chose dont on dit même qu'elle est connue pour d'autres, bah pour lui, elle n'est pas connue, puisque lui, il ne la connaît pas. Hein? Entends-tu ça? As-tu entendu ça? Ben oui. Ben oui. Il est connu, connu, connu. Ben, il est connu, 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 non? Connu,
Connu par celui qui connaît, pour celui qui connaît pas, pas connu. T'es pas connu pour celui qui connaît pas, tu vois? Entends-tu ça? Entends-tu? Ah oui, il est connu, connu, ça me fait rire, ça. Il n'y a pas de chose connue en soi, enfin, dans l'absolu. La chose est connue relativement à un certain nombre de personnes qui connaissent la chose dont on parle. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, cette chose-là, même si on leur dit à eux qu'elle est connue par d'autres, puisque pour eux, elle n'est pas connue, eh ben eux, ils ne peuvent pas dire qu'elle est connue, puisqu'ils ne la connaissent pas. Hein? Entends-tu ça? Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de chose connue. Il n'y a pas... Il n'y a pas de chose connue en soi. Il y a une chose connue par rapport à un certain nombre de personnes. Et puis ceux qui ne connaissent pas, pour eux, bah, tout ça, c'est relatif, si tu préfères. Tu comprends? Entends-tu ça? Alors, je sais qu'on pourra m'opposer la chose suivante. On pourra me dire, oui, mais... On pourra me dire, oui, mais bon, par exemple, si on prend une assemblée de 50 personnes et que 45 connaissent une chose en question, on va dire que pour 45 personnes, elle est connue. Donc, elle est plus connue. Elle est connue. Oh, je vous en prie, c'est déjà pas facile. Hein? Alors, non, non. Alors, elle est connue par un plus grand nombre. Il y a plus de gens qui connaissent la chose que de gens qui ne la connaissent pas. Bon. Donc, on peut légitimement dire qu'évidemment, sur les 50 personnes, s'il y en a 45 qui connaissent, on va pouvoir dire qu'elle est connue. Mais pour les 5 qui ne connaissent pas la chose en question, pour eux, elle n'est pas connue, puisqu'eux, ils ne la connaissent pas. Ça ne sert à rien de leur dire qu'elle est connue, parce que même si elle est connue par un plus grand nombre qu'eux, eux, ils ne la connaissent pas. Donc, pour eux, elle n'est pas connue. Ah, ouais. Ça ne sert à rien. Ya, ya, ya. Oui, c'est ça. Ça me fait rire, ça, moi, mais ça me fait rire. Oh, il y a un autre truc qui me fait rire aussi. Oh, alors là. Oh, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand on pose une question à un gars et le gars, il donne la réponse tout de suite à la question. Les gens disent, oh là là, il est fort, oh là là, on lui a posé une question, il a donné la réponse tout de suite. Tout le monde dit, oh, il est fort. Je dis, mais ce gars-là, il n'a aucun mérite à avoir donné la réponse à une question. Parce que s'il a donné immédiatement la réponse à une question qu'on lui pose, c'est que cette réponse, il la connaît. Et ben voilà. Je vais vous donner un exemple. Non, ben comme on a un petit peu de temps, ça va. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, justement, moi, on me pose la question suivante, un poulet, ça a combien de plumes? Eh ben, je dis 10 plumes, eh ben, j'ai aucun mérite puisque la réponse, je la connais. Hein? Entends-tu ça? Ouais. N'empêche qu'il est connu, le sketch. Eh ben, je vais te dire, il n'est pas si connu que ça parce que justement, il y a quelqu'un qui récemment m'a écrit pour me dire que le sketch du week-end, il ne le connaissait pas. Ah bon, attends, ouais. Il t'a écrit pour te dire ça? Parfaitement, il a pris sa plume et il m'a dit, le sketch du week-end, je ne le connais pas. C'est un gars, pour la petite histoire, c'est pas ça qui est important parce que je vous parlerai d'autres choses après à son sujet, mais c'est juste comme ça un détail, il habite à Nouhans-le-Fuselier. Bon, et alors il me disait un truc assez marrant ce gars-là, en réalité dans sa lettre. Non mais, c'est où ça, Nouhans-le-Fuselier? Bah, c'est à côté de Menin, sur la route de Souhem, on en amène tout. Ah alors... oui, oh, mais maintenant que tu me le dis, moi, il y a un gars de Marolles-les-Braux qui m'a écrit aussi. Ah ben, ça peut arriver aussi, ça, oui, oui, oui. Où est-ce que ça perche, d'ailleurs, tiens, Marolles-les-Braux? Sur la route de Beaumont, en allant à Tuffé. Ah oui, c'est quand tu vas à Mont-Doubleau dans la direction de Bouloir et que tu contournes Conly. Non, je t'arrête, là. Tu contournes pas Conly quand tu vas à Bouloir. Ah si? Non, tu traverses la grande rue. Ah ben, bah, puis maintenant, il y a une rocade, maintenant, avec la nouvelle zone commerciale. Puisqu'il y a même un Métabio qui vient de s'installer, alors? Métabio, bricomat, tu veux dire? Mais non, Métabio, c'est un nouvel espace bricolage, tout pour l'escabio, l'escabeau. Non, je confonds, parce qu'il y a un bricocaro à Montpont, sur la route de Cuiserie, qui est près d'une rocade aussi. Alors. Oh là là, il mélange tout, mais c'est pas vrai. Mais non, mais à Montpont, c'est un Jardiflore. C'est pas Jardinex, Montpont? Mais non, le Jardinex, il est à Souilly-sur-Marolles, après Fauconnier, sur la route de Fresnes-Saint-Mêmes. Non, non, ça c'est en allant à Mouchard. Quoi? Après Chaumergy. Quoi? En bifurquant à La Cluse et Mijou. Quoi, La Cluse et Mijou? Mais t'es bien trop bas à La Cluse et Mijou. Quoi? Oh, bah oui, évidemment, t'es trop bas à La Cluse et Mijou, tu rigoles ou quoi? Ah oui. Bah t'es bien trop bas à La Cluse et Mijou, pourquoi pas Madrid aussi? Bah évidemment que t'es trop bas à La Cluse et Mijou, ça. Ah oui. Bah y'a pas de. Ah oui. Ah oui, t'es trop bas à La Cluse et Mijou, puis c'est tout. Je suis trop bas à La Cluse et Mijou. Bah oui, t'es trop bas à La Cluse et Mijou. Évidemment que t'es trop bas à La Cluse et Mijou. Ah oui.
suis trop beau à la Cluse oui, et Mijoux. Parfaitement, tu es bien trop beau à la Cluse et Mijoux. Ah oui. Ah oui, t'es trop beau à la Cluse et Mijoux, puis c'est tout. Je te dis que tu es trop beau à la Cluse et Mijoux. Ah oui. Vous, vous avez de la chance, vous ne l'avez pas de face. Je te dis que tu es trop bas à la Cluse et Mijoux. Et puis je vais te dire, il n'y a pas qu'à la Cluse et Mijoux que t'es trop bas. Il faut que tu remontes sur très long. Alors là, très long. Mais faites attention à vous. Hein, oui. À très long, il y a un batigro qui vient de s'installer de toute beauté. Ouais, je connais. Ouais, ouais. Ah, batigro? Ouais, batigro. Oh là, bah merci bien, Batigro. Ah bah quoi, il y a tout ce qu'il faut chez Batigro. Ah alors là, ah genre... oui. Oh bah ils ont tout ce qu'il faut chez Batigro. Sauf que l'autre jour, ils n'avaient plus de tasseau de 12. Oui, ah bah... J'ai dû aller jusqu'à Mazières en Gâtine. Ah bah alors là, t'aurais pu t'arrêter à Mouilleron en Paray. Tu demandais Roger au bazar du centre, il est compétent le Roger. Il a fait tout son apprentissage au bricomarteau de Quissac. Le Roger, c'est pas le fils de Madame André? Si. Qui s'est remarié avec le gérant... Ouais. Du super copie de la zone industrielle de Bozoul. Eh ben oui, bah elle maintenant, Madame André, elle est à la Tronquière, juste avant Rignac. Tu prends Marcilly en Beauce et après Saint-Marlajac, t'arrives à Montpazin. Alors là, à Montpazin, il y a un perfaux chambranle, tout pour la déco, remarquable. Ah, je connais, c'est de l'adhésif sans odeur, prêt à encoller. Ah, bleu. Prêt à... Encoller. Ah oui, j'avais mal entendu. Il y en a un très bien à Durbuy, après Moyeuvre. Ah bah c'est possible, mais je le connais pas, celui-là. Bon, alors... Durbuy, tu prends par Azelferon. Oh bah tu te rallonges, là, Azelferon. Parce que moi, je prends Sissonne et par Montcornet, j'arrive direct. À ce moment-là, tu passes par Mirecourt. Ah oui, et qu'est-ce que j'irai faire à Mirecourt? T'achètes ton papier peint au Tuticolore de Rougemont-le-Château. Oh là là, moi, pour la peinture, il y a longtemps que je me fournis à Saint-Dizier chez les frères Bariolo, je suis tranquille. Bah dis donc, Saint-Dizier, c'est pas la porte à côté. Hein. Bah ça dépend. Si tu coupes par Champlitz, Paincourt, Longuillon, Vigneul, t'évites Chamblay, c'est impeccable. Alors, ce que me disait donc ce gars de Nouan-le-Fuselier, dans sa lettre, c'est qu'en fait... Ouais, mais fais gaffe, parce qu'en évitant Chamblay, tu vas te payer la traversée de Bretenou. Bonjour, monsieur. Monsieur. J'aurais voulu, monsieur, s'il vous plaît, les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur, Pau. C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Eh ben oui, Pau avec un P. Alors, Pau. Ouais, ben je suis pas arrivé, moi. Vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57, arrivé à Pau, 15h23. Mm-hmm. Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h45, 10h42, 19h05, c'est un rapide, 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui alors, ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé Pau. Non, non, mais il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes, ah bah, hein, là. Il y a des vedettes, il est marrant, lui, c'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Ben, il n'arrive pas avant les autres. Non, parce qu'il y a un changement à Rennes.
Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. C'est mais... ça, oui, ben c'est... C'est le train qui roule quand il fait nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà. Il roule, c'est la nuit. Alors dites-moi, monsieur, dans la mesure où il me semble qu'apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande? D'avance, merci. Et paf! Vous me cherchez, hein, vous? Bah non, je ne cherche pas. Si, vous me cherchez. Bah non, mais je vous demande des renseignements, vous me les fournissez au compte-gouttes. On va pas y passer le réveillon, non? Ah, il a un regard, c'est impressionnant, hein? C'est pas celui de Lorraine Bacal, mais on dirait le port de l'angoisse. On cherche, hein? Non, en tout cas, je vous ai trouvé, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Bon, alors, ennui. C'est ça. Départ 23h04, arrivée 7h01. Oui, c'est un couchette? Non, c'est un train de nuit. Ah bon? Vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Qui fissent? Oui, qui fissent. Alors, il y en a un qui part à minuit 12. Qui fissent. Qui arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout? Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après. Ouais. Qui arrive à 7h64. Ah ben, c'est pas mal, ça, 64, oui. Alors, celui-là, il met 3 minutes de plus? Oui, c'est un omnibus. Il s'arrête dans 60 gares. Seulement, il roule beaucoup plus vite entre les gares. Eh ben, j'espère qu'il a de bons freins. Au point de vue des tarifs, c'est pareil? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons, celui de minuit 12, vous faites le tarif couple, évidemment. Oui, monsieur, mais seulement si vous êtes au moins deux et de sexes différents. Ah oui, mais moi, je suis seul et du même sexe. Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple. Oui, alors allons-y pour mi-couple, oui. Alors, en mi-couple du même sexe! Oui! Vous serez bien gentil de me garder le mien si ça vous fait rien. Je suis désolé, les couchettes sont pleines. Elles sont pleines de quoi? Non. Je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, seulement c'est plus cher et vous n'aurez pas le mi-couple. Ah, c'est beaucoup plus cher, le wagon-lit? 80% de plus. Oui, oh, bah, c'est pas... Oui, oh, bah... Ça vous fait le même prix que l'avion. Ah, bah, l'avion. Bah, donnez-moi donc les horaires d'avion. Ça peut-être m'arranger, ça. Pour Pau? Ah, bah, oui, je vais à Pau, je vais à Pau. Vous voulez un vol direct? Oh, là, là, oui. Oui, parce que d'une part, je connais bien René Strasbourg et je dois me rendre à Pau le plus vite possible puisque je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Alors, je voudrais lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure. Héros de l'aviation qui ne meure. Vous avez le vol du matin à 10h. Très bien. Qui met 50 minutes. Il est très rapide. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Hein. Attendez, là, comment ça, on peut pas descendre? Je dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Enfin, si on peut pas descendre, où est l'intérêt? C'est vous qui voyez. Voilà, c'est pas mal. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Enfin, si on peut pas descendre, quel est l'intérêt? C'est vous qui voyez. Mais non, monsieur, c'est à vous de me dire si votre avion qui va à Pau, je peux ou pas en descendre. Il y en a qui ont essayé, oui. Ils ont eu des problèmes. Ben, évidemment, si on peut pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Non, non, mais monsieur, votre avion là qui va à Pau, je peux ou je ne peux pas en descendre? C'est vous qui voyez. Mais non, mais c'est pas moi, monsieur. Il y en a qui ont essayé. Oui. Ils ont eu des problèmes. Ah, évidemment, tu ne peux pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Mais enfin, pourquoi on peut pas descendre? C'est vous qui voyez. Mais non, mais c'est pas moi, monsieur. C'est à vous de me dire si votre avion qui va à Pau, je peux ou pas en descendre. Sinon, quel est l'intérêt pour moi d'aller à Pau? Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Non, mais attendez, monsieur. Cela dit, il est très rapide. Oui, non, mais d'accord. Un avion, normalement, on peut ou on peut pas en descendre. Il n'y a pas de... C'est vous qui voyez. Oh. Il y en a qui ont essayé. Mais je m'en fous, mais il y en a qui ont essayé. C'est à vous de me dire si votre avion, je peux ou pas en descendre. C'est vous qui voyez. Oui, oui, oui. Bon, alors, bon, alors. Alors, attendez. Alors, si je comprends bien, il survole Pau, mais il n'atterrit pas? Si, monsieur, il atterrit. Alors, s'il atterrit... Mais il repart aussitôt. Ah, bah oui, mais moi, je ne suis pas parachutiste, hein. C'est vous qui voyez. Ah, non, non, c'est tout vu. Il y en a qui ont essayé. Oui, oui, ils ont eu des problèmes, oui. Alors, bon, alors, donnez-moi un autre horaire, et puis on va pas y passer la nuit. Un vol de nuit. Eh ben, très bien, un vol de nuit. Décollage du Bourget, 22h. Arrivé à Pau, 8h15, le lendemain matin.
Ben, il vole toute la nuit. Celui-là, il vole pas, il rôle, celui-là. Ah ouais, prends la nationale, celui-là. Seulement, il fait couchette, mais cou... Non, mais attendez, monsieur, je vais quand même pas passer la nuit entière dans un avion qui roule pour aller à Pau. C'est vous qui voyez. Oh non. Il fait couchette, mais coupe. Bon, allez, ça m'est égal. Donnez-moi un wagon-lit quand on en termine. Vous partez quand? Eh bien, lundi. Les enterrements, c'est le lundi. Il n'y a pas de wagon-lit le lundi. Alors, moi, je ne peux pas aller à Pau. Non. Voilà, eh bien, c'est pas de veine. Ou alors? Ah, merci, mon Dieu, il a été touché par la grâce. J'aurai un train à couchette. Oui. Mais deux jours. Seulement, vous êtes obligé de dormir dedans. Ah, c'est contrôlé tous les quarts d'heure. Il y a un gars qui passe vérifier, obligé. Couchette de jour. Ah, ah, ah. Ah. C'est un malade, hein. T'es un pauvre malade. Oh là 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 là. Allez, donnez-moi ça qu'on en termine. Ah, il y a des jours où on regrette qu'ils soient pas en grève, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça branle du chef, là, hein, oui, oui. S'il vous plaît, je fais mon travail. Ah ben, je vois, oui, oui, oui. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Non, ben, ça va, vous l'avez tamponné, là, c'est bon, hein, vous l'avez eu, hein. Il bougera plus, là, hop là. Oh là 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 là. Allez, encore un petit coup pour la route. Hop là. Dites-moi, monsieur, c'est sans vous commander, évidemment, mais vous ne lui avez pas fait le derrière. Interdit, monsieur. Enfin, ça pourrait être pire. Il pourrait conduire le train lui-même. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Il me semblait bien l'avoir lu dans les journaux. Alors dites donc, ce train-là, il va bien à Pau? Il va forcément à Pau, puisqu'il va à Irun. C'est sur la ligne, au revoir, monsieur. Ah zut, monsieur, j'ai oublié de lui dire, ce train-là, il passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas.